tous et bienvenue dans The Elder Scrolls Online, un secret d'histoire avec un ours. On est dans la maison de Krayn et bien évidemment il y a un ours. J'ai la flemme de le désinvoquer, de le réinvoquer. Exactement, donc. Et on est en compagnie de notre lézard favori, j'ai nommé Desastres. Hein. Voilà, il est là, il est sublime. Oh, il est magnifique, il est magnifique. Et donc là on est dans la maison meublée de chez Krayn qui nous a avoué ses grands secrets, c'est qu'il a acheté la maison déjà meublée. C'est ça. C'est donc ça. Alors je me suis pas rendu compte, chers amis, depuis j'ai eu mon propre appartement qui m'a été offert, celui du jeu. En fait tu vas dans une auberge et on t'offre une petite pièce pour rien. Tu sais, on te dit voilà, c'est une petite pièce d'auberge, on vous la donne, vous êtes célèbre, c'est à vous. Donc t'as littéralement un 3 mètres carrés comme si c'était un appartement à 800 000 € à Paris. Exactement. Et t'es censé, voilà, le meubler, sauf que le moindre plumard coûte 25 000 pièces d'or. Hein, c'est des prix mais absolument inconséquentiels et dingues qui ne font absolument aucun sens. Et donc, c'est ça. Et donc, je comprends que Krayn ait acheté la maison meublée, mais d'un autre côté, je ne fais qu'admirer Desastres. Lors de la première vidéo, on a visité sa maison à lui, qui est remplie du pouvoir d'un autisme de l'argent qui est juste absolument dingue. Je me demande comment il a pu réunir des sommes telles, mais moi je me dis ça s'explique dans le lore, parce que le lézard que Desastres joue ne se souvient plus de son prénom. Mais a vécu pendant des dizaines de milliers d'années, il est plus vieux que le East lui-même, ce qui fait qu'en fait, j'ai eu beaucoup d'argent, j'ai un gros compte en banque. C'est comme dans la vraie vie, il y a un faible pourcentage de la population qui détient la plus grande partie des richesses. Non mais c'est ça, c'est ça, c'est le zéro. Par contre, Bob, parce qu'il y a une plage privée et tout ça. Ah, oh, je vais aller voir, je vais aller voir. C'est le 0,001%. Mais il ne sait plus comment il s'est fait cet argent en fait. Voilà, après tu sais que la plupart des objets quand même on peut les fabriquer nous-mêmes avec l'artisanat aussi. Oui. C'est ça, c'est ça. Si moi en fait, compos, ouais. je sais bien, mais je pense quand même qu'il doit y avoir un truc du genre. Je me souviens vaguement, à une époque, j'écrivais des livres de charme. La femme de chambre argonienne, que voilà. Ça s'appelait. Ça me rapporte encore de l'argent à Sourd. Les royalties. C'est ça. Si seulement je pouvais me souvenir de l'histoire. C'est ça. En fait, il a peur d'écrire le tome 3 en fait, des As, parce que comme il ne se souvient plus de son nom, il sait plus à quoi il est censé le signer en fait. Donc il est pas sûr de recevoir l'argent. Donc du coup, ah c'est magnifique. C'est sympa. Hein. Ah, magnifique. Par contre, donc mon premier réflexe quand j'ai eu ça, c'est bien sûr d'essayer d'aller sur la petite plage là-bas. Bien sûr. Je vais essayer, Bob. Vas-y, va sur la plage. Ouais. Je vais sur la plage. On t'encourage. Je vais sur la plage. Je vais sur la plage. Tout va bien. Je me suis pas encore fait manger. Gabliette. Ah là là. Donc voilà. Ah, non, au secours. C'est dangereux. Il faut pas se baigner ici. Oh la vache. Oh la vache, oh la vache, le mec il a des piranhas dans sa flotte. Et ils me l'ont pas dit, hein, quand j'ai acheté l'endroit, ils m'ont dit oui, oui, tu peux nager, tout ça, c'est génial. Tout ça. Oh la baise. Oh la baise est macro maximale. Par contre, est-ce que quand tu es chez toi, tu peux voler ou quelque chose comme ça? Tu peux pas, hein. Il faut que tu crées des structures pour pouvoir marcher dessus. Parce que si tu veux mettre une statue classe en haut de cette espèce de bite, par exemple, t'es obligé de créer un pseudo-escalier en fait. Pas forcément. Je sais pas si tu peux aller jusque-là, je sais pas. Parce qu'en fait, quand tu mets un objet, après, avec la roulette, tu peux le pousser ou l'avancer, donc tu peux relativement, tout à fait. Ouais. Mais avoue qu'une statue là, ça serait ultra classe. Ils ont pas fait un moyen, ce serait pas forcément compliqué en plus d'avoir des statues de son avatar. Ça fait une copie de ton avatar, puis ça fait une statue. Ce serait tellement classe. Pour avoir des statues de toi partout chez toi. À mon avis, c'est possible et facile à faire. On aurait peut-être dû leur en parler lorsqu'on était monté à leur bureau. C'est une bonne idée, voilà, je trouve. Ça, hein. Moi, je pense qu'il faut leur dire au service, tout ça, il faut les spammer de messages en disant on veut des statues de nous. Ou alors des statues de Daedra aussi, je trouve ça classe, mais bon, c'est pour ça, mais enfin bon. Du coup voilà, on est au palais de Hunding, ou du moins c'est le nom, hein. Je porte d'ailleurs, j'ai récupéré des morceaux d'armure de Hunding qui m'ont été donnés par Izotti, l'espèce de, vous savez, de fantôme avec la pièce qu'il y avait dans l'épisode précédent, qui va continuer à nous suivre je pense, et qu'on reverra sur la route, hein, comme une espèce d'hallucination mentale. Cependant, Hunding, juste pour commencer, allez on peut commencer avec un peu de lore, s'il vous plaît. Vas-y, on est là pour ça. Merci. Alors il faut savoir que Hunding était un chef rouge-garde extrêmement respecté et ultra puissant qui a uni son peuple sous la même bannière, hein, à force moult diplomatie, guerre et tout ce que vous voulez. Et le peuple des rouge-gardes s'est rendu compte en fait pas forcément d'une conscience commune comme les lézards, tu vois, ils sont pas en mode ruche, tu vois, comme des Coréens. Ils se sont par contre découverts qu'ils ont une, comment ça s'appelle, une destinée manifeste. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont un nationalisme qui est presque génétique en fait, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire, qui est divin, tu vois ce que je veux dire, ils ont une espèce de volonté de s'entraider entre rouge-garde et d'avancer en tant que communauté et de pays. Le truc c'est qu'en fait, il y a la légende, un dieu rouge-garde, un vrai dieu qui existe, hein, enfin un dieu, Genre c'est quelque chose d'avéré, tu vois, c'est comme si Hercule il avait existé, il avait bâti des panthéons et qu'il était encore en vie, tu peux pas vraiment le réfuter, tu vois ce que je veux dire, qui s'appelle le Hunding, hein, qui vient de Hunding, tu vois, du paladin, le Hundin, et en fait, quand le peuple Rouge-Garde est bloqué dans son destin par un événement ou un autre, quand il peut plus s'étendre dans son territoire, quand il peut plus avancer, quand il a besoin qu'un événement fasse avancer le peuple, socialement, militairement ou quoi que ce soit, il y a un Rouge-Garde qui naît avec le pouvoir du Hundin, et en fait, c'est un avatar du chemin. Comment dire? C'est un avatar du chemin. En clair, vous connaissez la musique? Boom, bitch, get out the way. Get out the way, bitch, get out the way. Boom, bitch. Donc là, on attend le rapport. Non, tu vois cette musique? Eh ben, l'avatar de Hunding, le Hunding, c'est littéralement cette force mise en homme, en fait. Il faut savoir que le personnage que tu joues dans The Elder Scrolls Redguard, un jeu de Bédeja bien sûr, c'est un avatar de Hunding. On pourrait qualifier par exemple un héros d'un Elder Scrolls, tu vois, genre de Morrowind, Oblivion ou de Skyrim, de Hunding, tu vois ce que je veux dire? Sauf qu'il fait pas avancer la cause Rouge-Garde, il fait avancer la cause du monde, il fait avancer la cause d'Akatosh, il fait avancer des trucs comme ça. Bref, c'est un héros, mais un héros avec un grand H. C'est genre le héros de RPG, tu vois, le héros de RPG à qui tout arrive. Et surtout, rien... Et je dis bien, rien ne peut arrêter le Hunding. Tu vois ce que je veux dire? Dans le sens que ça ne peut arrêter le Hunding. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, Vivec a commencé à affronter un Hunding. Il a commencé à affronter le héros, justement, de The Elder Scrolls Redguard. Et Vivec s'est rendu compte que c'était le Hunding quand il commence à perdre. Et il s'est arrêté. Il s'est arrêté, il s'est excusé et il s'est retiré. On parle de Vivec. Un gars qui prend des Daedra, c'est-à-dire des démons d'une puissance cosmologique, et qui les bifle pour leur apprendre le respect. Tu vois ce que je veux dire? Oui, non, mais exactement. On parle de ce gars-là. Et ce gars-là a regardé le Hunding, qui est juste un humain, enfin un Rouge-Garde, et il s'est dit oula, attends, stop, je retire mes billes et je vais pas me mettre sur son chemin, je vais pas l'empêcher sa quête. Tu vois? Voilà, c'est ok. Voilà pourquoi t'es venu chercher. Maintenant, tire-toi. Le Hunding, il a pris l'objet, il a fait merci, il s'est barré. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu ne peux pas arrêter le Hunding. Le Hunding, en fait, c'est un joker. Il est automatiquement la force de ce qu'il affronte plus 1. Tu comprends? Oui. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est une légende que je trouve ultra classe parce que du coup, ça crée des avatars complètement dingues. Il y a genre eu 3 Hunding référencés. Merci Kaineka. Il y a genre eu 3 Hundin référencés dans tout le lore des Elder Scrolls, et à chaque fois qu'ils sont apparus sur la planète, le peuple Rouge-Garde a eu une avancée, une espèce d'âge d'or, une apogée complètement dingue pendant toute la durée de sa vie. Voilà. J'ai quitté le palais, je suis où d'ailleurs? Elle est où cette ville? On est où? On est au port Hunding. Ah d'accord, il y a carrément une île... Ah oui, t'es parti comme ça. Ah mais c'est pas l'île justement où ça se passe Où ça se passe, Redguard? J'ai un doute, hein. On peut pas revoyager vers l'endroit où on était avant d'aller dans la maison? Je ne sais pas. En tout cas, bon, c'est pas très grave, on peut tous prendre le portail magique et aller se téléporter pour faire donc la suite de la cité mécanique. Voilà, désolé si je vous gave avec mon lore, mais c'était la petite histoire Rouge-Garde que je trouvais intéressante. Et en fait, j'ai découverte... Oh, bah tiens, il y a Izotti. J'ai découvert justement cette histoire en lisant tout le lore de Vivec. Et je me suis rendu compte que voilà, le mec... Tu te rends compte que tu te bats contre toi plus 1 en fait. tu t'es obligé, tu backdash, tu dis attends. Commence pas. Du coup, où est-ce qu'on est censé se téléporter? Ah, je te suivais, mais attends, on le voit au loin, non? Alors attends. Hop, il est. Ombre croissante. Montré sur la carte. À la gauche. Je peux monter là-dessus. Montré sur la carte, forteresse d'A1, je vais m'y téléporter. Vous pourrez me suivre. Voilà. Impeccable. Hop. Et voilà. Donc pour tous ceux qui sont sur Fantamob Games, qui sera bientôt renommé avec le départ de Fanta, hein, Press F. Press F to pay respects to Fanta, voilà justement, c'est pour ça. Vous allez faire face à une VOD comme d'habitude assez longue avec les élucubrations d'un Lennon, les délires d'un Krayn et les inepties d'un lézard. Je suis bien connu pour mes délires, ça c'est... Merde, je me souviens plus quel était le mot la semaine dernière qui m'avait fait éclater de rire. Presbyte. Presbyte, c'est ça. Voilà, c'était ça, c'était ça. Le lézard qui était presbyte. T'es là, putain. Mais le pire, c'est que tu soupçonnes tellement pas le perso, c'est génial. Tu sais, t'imagines... Je t'en prie. Tu vois le... C'est M qui était là. Tu vois toujours le dessin animé, quoi, avec le barbare, l'elfette et le lézard, et que, bah, si vous voulez, on peut aller dormir chez moi. T'as un chez toi? Bah ouais. Puis quand ils arrivent, c'est un espèce de palais qui vaut des milliards, ouais, c'est ça. Qui est bâti en or massif, avec des joyaux, des cavernes. T'as Almalexia en personne qui est habillée en soubrette, qui vient et qui fait le ménage, quoi. Et toi, t'as, mais qu'est-ce qui s'est passé? Quel est ce lore? Donc on a tous la quête fouiller le presbytère de Gascogne. Presbyte, exactement. Ombre croissante, fouille le presbytère de Gascogne. La dernière fois, nous avons découvert qu'un Daedra est en train d'essayer de prendre le contrôle de la cité mécanique en ayant enfermé l'âme de Sotha Sil et en ayant, comment s'appelle, en ayant arraché son ombre. Ombre de Sotha Sil, d'ailleurs, un des trois divins, qui a pris le contrôle de la cité mécanique et que nous avons vaincu la dernière fois. Exactement. Après l'avoir regardé dans tous les angles, parce que c'est quand même une des rares, uniques et seule chance d'avoir une représentation du divin Sotha Sil que nous n'aurons jamais. Est-ce qu'il y en a eu dans d'autres jeux des représentations? Oui, dans Morrowind, et je ne spoilerai pas comment. Ah. Voilà. Je ne l'ai pas encore croisé. Et disons qu'on ne l'a pas vu en meilleur état qu'on l'a vu là. Voilà. Alors c'est où? C'est là-bas, je suis devant une porte, est-ce que c'est la porte de la quête, je pense. Voilà. Et je rappelle qu'on était donc toujours le larbin de l'ami de Sotha Sil et érudit, héroïque et mystique de l'univers. Ah, t'es rentré. Oula vache. Oula, je suis rentré. Oula lâche. Oula là, oula. Planquez-vous. Accroupi, accroupi. Putain, c'est quoi ce masque que tu tapes? Oui, j'ai changé. Voilà. C'est festif. Accroupi, accroupi, ils nous en veulent en fait. Tu crois? Serre des... Ouais, non mais je décode pas. Serre des passes. On va attendre désastre. On a hauteur désastre, ouais. Ça, ouais, j'essaie de vous rejoindre. Roulade, roulade. Ok. C'est stylé. Ah ouais, il a l'air de nous en vouloir. Hein. J'ai pris un arc. On m'a offert un arc et j'ai appris à m'en servir un peu, donc c'est pas mal. Ah oui, ils sont rouges les gens. Ouais, ah oui, d'accord. J'aime bien parce que regarde là. Tu vois ça encore, tu vois, c'est l'exemple des animés types, les mecs. Ça... Je crois qu'il nous a vus. Attends, regarde. Alors, hé, presbyte. Alors, ils sont où les papiers? Et tu sais, ils commencent à fouiller devant le méchant, il s'en fout, tu sais. Bon, écoute, on l'attaque. Allez, on l'attaque. Oui, attends, on la bouffe. Si on la bouffe. Oh là là. Non mais elle nous en veut, elle est rouge. Couchez. Couchez, j'ai dit madame. Ah. C'est bon. Elle a un cœur de Daedra. Ok, c'était un monstre. Déjà, il n'y a pas de respect. Ouais, je peux pas looter. C'est quoi cette arnaque? Ah, ça y est, je peux. Étagère de livres. La vérité en séquence, volume 1. Volume 9, pardon. Ouais. Ouais. Ok. Tout ceci n'est pas très clair. Il faut repartir. Ah, il y a d'autres trucs à lire? Je regarde juste. C'est juste comme ça, les gens peuvent lire eux-mêmes. Ils peuvent faire pause sur le replay. Mais surtout que les bibliothèques, ça, aussi dans le jeu, ça débloque des niveaux de skill dans certaines branches. Oui, pour certains d'ailleurs. Il est conseillé de le faire à la fin, mais bon, nous on joue, on est casual. Dispensaire de nutriments. J'ai une pâte insipide. Waouh, ça se mange. Non, je déconne pas, ça se mange, attends. Pâte insipide. Santé maximale augmentée. Ah ouais, c'est pas de la merde en plus. Ouais, c'est pas mauvais, hein. Pour parler à la prévote. C'est pas mauvais, c'est pas mauvais. Oui, parlons à la prévote, excusez-moi. Je traîne encore un peu. On lance en même temps qu'il verra. Bienvenue, résident. Ok. 3, 2, 1, clic. Les factotums ont signalé une étrange signature énergétique dans le rectorat de Gascogne. Avez-vous trouvé quoi que ce soit d'anormal là-bas? Rectorat. tu veux commencer, Désastre? Ok. J'ai trouvé une créature dans le bureau de Gascogne, une sorte de Daedra. On aurait dit une femme pâle. Ah ben c'est pour moi ça. On dirait un passereau de Nocturne. Par les rouages. Comment cette chose a-t-elle pu contourner nos bobines de sécurité? Et Gascogne, est-il... mort? Je ne sais pas encore. Voici le message qu'il a laissé. Le message qu'il a laissé, aïe, aïe, au secours, j'ai mal, aïe. C'est un peu louche quand même. Un départ soudain, suivi d'une attaque de Daedra. Vous avez raison. Je savais que Gascogne était une feignasse doublée d'un prétentieux, mais de là à pactiser avec des Daedra, je prie pour que ce soit faux. Nous devons découvrir ce qui intéresse les Daedra parmi ces affaires. Le proctor Luciana pourra peut-être organiser une battue. Elle vient de partir disperser un attroupement. Très bien, j'irai parler à Luciana. J'espère que vous mettrez rapidement la main sur Gascogne. Nous avons besoin de le faire parler, tout de suite. Crois pas que j'ai pas remarqué que t'as soufflé du nez quand elle a dit Proctor. Ouais, j'en étais sûr, je me suis dit, est-ce que tu vas faire une remarque sur Proctor? Ah bah c'est garanti. Mais je t'ai entendu souffler du nez en plus, Désastre. Oui, mais parce que je pensais à toi qui allait... le mec il est RP à fond quand même, hein. C'est beau, hein. c'est beau. On lui dit quoi alors? Gascogne pour ses petits des oiseaux, c'est important quand même. Allons-y, les oiseaux, clique. Des oiseaux? Pas que je sache. Il bricole peut-être des automates volants, mais ce n'est pas le genre de choses dont il me parle. Pourquoi cette question? Il avait des plumes noires dans son... Des plumes noires dans son bureau? T'as vu ça? Moi, je les ai pas vues. Hein. Moi, j'ai vu une connasse qui nous a tiré des lasers, c'est tout ce que j'ai vu. Hein. C'est pour ça, moi, faut moi, clique. Quoi? Des plumes? D'oiseaux vivants? Oui, c'est inhabituel. C'est inouï. À ma connaissance, aucun oiseau vivant n'a jamais posé le pied, enfin, l'aile, dans la cité mécanique. Et même si c'était le cas, il ne durerait pas très longtemps. Ça manque de verre par ici. Ils mangent bien des vers, non? Certains. Enfin, on dirait que la situation vient de changer. Fascinant. J'ai toujours voulu en voir. Dans de meilleures circonstances, bien sûr. Je vais prévenir nos naturalistes, une fois la situation de Gascogne résolue. Bah merde alors, t'avais raison, c'était important. Non mais... Le lézard, il a les visions d'avenir, hein, il sait tout. En fait, ce qu'il faut, c'est l'attacher à une roue, mais c'est pas une roue de torture, mais il faut s'en servir de compas en fait. Voilà, c'est ça. Là où les lézards pointent, c'est là où l'histoire se passe en fait. Vas-y. Vous savez où Gascogne pourrait se trouver? Voilà. J'ai peur que non. Gascogne ne parle à personne de ce qu'il fait hors de la basilica. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Il a passé quelques jours dans le Radius le mois dernier, mais ça n'a rien d'inhabituel. Les apôtres mènent souvent des recherches hors de la forteresse. Et vous savez ce qu'il étudie ou Les mathématiques, principalement. La théorie prédictive, les valeurs sphériques, l'énumération vertueuse, ce genre de choses. La psychohistoire. Il vient de publier une dissertation sur le calcul transdimensionnel. La production d'inférences sur les changements que subissent les nombres lors des déplacements planaires. Fascinant. Comment? La spécificité de ces calculs donne le tournis. C'est presque comme... Comme s'il avait accès à une faille planaire. Oh merde! Oh non! Ah d'accord, ah oui, en fait il étudie ces chiffres en shiftant dans un plan dédrique. Donc forcément le plan dédrique d'un Daedra, donc qui a dû intéresser vu que son pouvoir a dû être augmenté sur le plan là où se trouvait la fissure planaire. Donc il a dû passer sa tête à travers, il a dû voir que c'était intéressant et il est venu foutre sa merde. C'est Nocturne, donc c'est le Daedra de la nuit. Il est dans l'autre sens aussi, est-ce que ça va permettre... Ah mais bien sûr, voilà. Évidemment, c'est exactement pour ça. Et donc Nocturne, elle s'est rendue compte de l'existence de ce lieu qui était coupé, je rappelle, de Mundu, ou même de notre plan tout court, tu vois. Normalement, Oblivion n'a pas accès à la cité mécanique qui est son univers propre. Tout comme les autres plans d'Oblivion n'ont pas accès aux autres plans d'Oblivion. Tu vois ce que je veux dire? T'es obligé de passer par Nirn, t'es obligé de passer par Tamriel, t'es obligé de passer par chez nous, qui est le hub de la réalité. Tu vois, pour que les choses qui n'existent pas et qui sont de l'imaginaire existent, il faut qu'il y ait des choses de réalité qui puissent les rêver, et ou inversement. Donc de ce fait, t'es obligé de passer par cette transition. C'est le lore, hein, c'est logique ce que je dis. Ce que je veux dire, c'est que du coup, voilà, donc... il a ouvert ce portail, ça a intéressé Nocturne. Nocturne, elle a vu que c'était intéressant comme endroit, mais que c'était un endroit qui était hors de portée des Daedra, donc elle s'est rendue vénère. Du coup, elle a arraché l'ombre de Divayth Fyr, elle a arraché l'ombre de Sotha Sil, et elle tente de prendre le contrôle du lieu. Enfin, elle a arraché l'ombre de Divayth Fyr. On a vu ce que ça donnait en temps réel, vous voyez ce que je veux dire. Mais si quelqu'un pouvait manipuler les ombres, ce serait bien Nocturne. Donc ça fait du sens, voilà. Les passereaux, vous pensez qu'il étudie... Les passereaux, vous pensez qu'il étudie un portail d'Edric? Je ne veux pas y penser. Pas tant que nous n'en aurons pas la preuve. Bah, il y avait l'ombre de Sotha Sil, il y avait un passereau. Je veux dire, la preuve, voilà quoi. Bon, ça me paraît... On nous dit que le problème, c'est que la cité mécanique est en Nirn. Elle est juste cachée. Elle est en Nirn, mais c'est pas un plan en elle-même, c'est pas ce qu'ils expliquaient? Je savais que ça finirait. Il faudra attendre la réponse de Maxinaps. Ouais, je crois que c'est ça. Non, entendu. Dans tous les cas, ça me paraît clairement être un truc qui te déplace sur un autre plan. Donc c'est clairement, je vais pas dire un plan d'Oblivion, mais ça y ressemble, tu vois, beaucoup. Après, ça y ressemble, mais c'est pas parce que t'es déplacé que t'es forcément sur un autre plan. Putain, il brille. Ça brille fort ici. C'est pas parce que t'es déplacé que t'es forcément sur un plan. Peut-être. Mais en tout cas, c'est une chose qui est sûre d'intéresser les Daedra. Tu vois ce que je veux dire, dans leur plan d'oblivion. C'est un désastre, ils viennent de dire. C'est un désastre. Moi. Tout va bien. Reconnu. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Du coup, allons-y. Allons parler à Luciana. Moi, j'aimerais bien arriver quelque part et les PNJ parlent et ils disent c'est un Krayn. C'est pas juste. On clique. J'y suis. Je suis là pour évacuer la place. Attends, où ça? Vous l'ignorez, pas vrai? Ah, t'as peut-être encore le dialogue. Ouais. C'est un désastre. Pour entendre, c'est un désastre. Si vous voulez paniquer, faites-le chez vous, pas sur la voie publique. Rentrez chez vous ou je vous rentre dedans. Ah d'accord. Ah d'accord. Ah oui, c'est la proctologue. La proctologue Luciana. Prolo. Très bien. Bah, parlons à Prolo alors. Clique. Si vous cherchez le Seigneur 7, j'ignore où il se trouve, mais je vais trouver. Comptez dessus. Je rappelle que 7 c'est Sotha Sil, hein. Je ne viens pas parler de Sotha Sil, il s'agit de Gascogne. Gascogne. Qu'a-t-il fait encore? Je reçois tellement de plaintes à son sujet. Il a... disparu. Tant mieux. Un sauroïde l'aura peut-être mangé. Ah merde, c'est désastre. Il faut bien que la chance finisse par nous sourire. Il est peut-être de mèche avec les Daedra. J'ai trouvé un passereau de Nocturne. Passereau, c'est tellement une traduction de merde, de Nocturne dans son bureau. Et cette note étrange. Il a donc fini par sauter le pas d'intrigant corrompu à criminel professionnel. J'en suis presque soulagée. Nous pouvons enfin lui donner ce qu'il mérite. J'imagine que vous en avez informé votre supérieure, la prévote Varouni. Oui, elle veut que vous organisiez une battue dans toute la ville afin de pouvoir l'interroger. La chasse est ouverte. Interroger avec une faute. Hein. Une battue dans toute la ville? Je ne pourrais pas mobiliser assez d'apôtres pour fouiller un placard. Les rapports arrivent de tout le rayon. On parle de fanatiques en robe noire, de Daedra blafards, d'ombres vivantes. Nous avons une invasion sur les bras. Ah bon? J'aime bien. Que pouvez-vous faire pour m'aider alors qu'elle a une invasion sur les bras? Moi je serais là, bah qu'est-ce que je peux faire? Ils sont où? On les tue tous, écoute. On les repousse, hein, y a pas de problème. Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, je connais un artificier, Dalomar. C'est un sacré personnage, mais vous ne trouverez pas meilleur bricoleur. Il pourra vous aider à trouver Gascogne, j'en suis certaine. Allez lui parler. Il s'est installé près des bidonvilles, à la ferraille. Bon, on y va. Je savais que ce tas de ferraille de Gascogne finirait par nous trahir. Ça fait des décennies que nous aurions dû en finir. Alors, je sais pas si vous avez envie de lui parler. Personnellement, moi, je me contrefous d'elle. Par contre, puis-je vous interroger sur vos améliorations? Moi, j'aimerais bien qu'elle me parle comment elle s'est fait transposer ça. Hein. J'aimerais qu'elle me parle de l'épaisseur, la taille, la longueur, les matériaux. Non, je déconne, je déconne. Ah bon? C'était une blague sur la bite. On avance, on avance. Très bien. On avance. Attends. À chaque fois que j'entends Gascogne, je pense à Berserk. Il y a un truc, ça allait être fier. Attendez, bougez pas. Vas-y. Bougez pas. J'ai travaillé dur, hein. J'ai cherché de la farine pendant longtemps pour ces conneries. Qu'est-ce que tu vas nous faire? Attends, j'arrive. Attends. Là. Ah, il y a encore du gâteau. Oh, le gâteau. Oh, le beau. Oh là là. Oh, qu'il est beau, il est sucré. Bon, tu feras gaffe, hein, j'ai remplacé du sucre par le sel, je trouve ça avantageux. Oh, quoique l'ours il va arriver, il n'y a plus de gâteau. C'est ça. Mais surtout que ça te donne le bonus d'XP en fait. Donc bah oui, merci. Je ne sais pas combien de temps, mais 2 heures. Du coup, c'est sympa. 2 heures, efficace. D'ailleurs, où est-ce qu'on voit les bonus? Tu fais C. Enfin, fais C. Et oui, bien sûr. Voilà. Effectif, ouais, je vois. Ouais. Santé maximale augmentée, valeur AP. Bah, je vois pas moi. Je vois pas le. T'as croqué dans le gâteau? Ouais, j'ai croqué pourtant. J'ai pas croqué assez, attends. Ouais, pas assez, je pense. T'as dû en laisser. J'ai pas fini mon gâteau. T'as pas fini la fraise. Si tu finis pas la fraise, t'as pas le bonus. Ah, moi ça me dit qu'il me reste 36 minutes. Ça l'a pas refresh. C'est normal. Bon, bah, c'est baisé. C'est baisé, on se casse. Ouais. Allons-y. On le vivra, on y vivra. Je vous attends devant Daloma. Alors, il faut savoir que Izotti m'a donné une nouvelle armure, mais je l'équipe pas pour l'instant. J'attendrai une période de calme. Le gâteau marche plus. Le gâteau marche plus. Ah, c'est fini. Les c'est fini, du coup. C'est juste le plaisir RP de manger un gâteau. C'est le plaisir d'avoir le gâteau. Est-ce que c'est un... Attends, est-ce que c'est un masque de Sheogorath, ce que tu portes? Oui, hein? Non? À qui tu parles? Moi? Bah oui, toi? Absolument aucune idée. Ouais, il me semble que c'est un masque de Sheogorath. Bah oui, en fait, ouais, ça c'est... Je l'ai aussi, celui-ci. Il était offert pour les X mois d'abonnement, il me semble. Oh, il est stylé ce Khajiit. Alors, masque du joyeux massacre. C'est joyeux massacre, ouais. Mais là, le visage, je crois, ça ressemble vachement à... Si on parle à Delomer. Ouais, allons-y, allons-y, cliquons. Bien, bien. Mais regardez-vous avec toute votre chair. Pas un copeau d'airain, exact? Ça ne va pas, ça ne va pas du tout. Je peux arranger ça. Et facilement. Pourquoi pas les pieds? Vous avez besoin de nouveaux pieds, n'est-ce pas? Vas-y, Krayn, dis-lui des surfouilles. On peut pas dire oui, on est obligé de dire non. Ah bah non, mais moi je veux pas me cyborgiser, t'es fou. J'ai besoin d'aide pour retrouver une personne disparue. Luciana m'a dit que vous pourriez m'aider. Une personne disparue? Quel mystère! Vous ne chercheriez pas Sotha Sil par hasard? J'ai entendu des rumeurs, voyez-vous. Toutes sortes de rumeurs. Il se serait transformé en corbeau? Ou en grenouille? Peu importe. Luciana avait raison, j'ai exactement ce qu'il vous faut. Il a exactement ce qu'il nous faut, parfait. Genre des extensions. Pardon, moi, je mais encore. Ah, c'est d'accord. Très bien. Mais, il est parti. Laissez Sniflette renifler la note. Oh, où est Sniflette? Elle est là, Sniflette. Petite vaurienne. Faut parler à Sniflette. Ce petit devrait faire l'affaire. Est-ce que c'est un Nyx? Je vous présente Sniflette, oui. Le Nyx Pister. Mais c'est un Nyx robot? Ah non, il est cyborg. Un Nyx cyborg. C'est adorable. Les Nyx, ce sont des créatures qui sont originaires à la base de Morrowind. Tu peux les trouver dans des cavernes, dans des trucs comme ça. Elles sont, d'habitude, je vais pas dire qu'elles sont... Ça dépend, il y en a qui sont agressives et d'autres qui sont pacifiques. C'est comme les Kwama, en fait, simplement. Mais globalement, c'est pas... Et un Gwar, ça c'est un Gwar. Ah. Il y a quelqu'un qui vient de me dire que je porte la tenue la plus rare du jeu. C'est beau. C'est vrai? C'est beau, c'est magnifique. Bah, rare... Ouais, par le fait qu'en fait... Tu casses pas mon rêve. D'accord. Oui, ah, c'est parce qu'en fait, on peut plus l'avoir, c'est pour ça qu'il y a une... D'accord. On sait que tu as tout, hein. On suit Snifette. Vous avez déjà suivi Snifette? Ouais, moi je suis en train, là. Ah, puis, ouais, le train, il était devant, mais... J'ai toujours du retard, hein, c'est dingue. Je passe trop de temps à regarder les décors, je pense. Oula, oula. Allez, on ressort de la forteresse. Un Kwama cyborg, eh ben on aura tout vu. Enfin, pas un Kwama, je veux dire, un X cyborg, on aura tout vu. Il est où mon Nyx? Il est là. A savoir que les Nyx ont une préférence pour la maladie, dans le sens où ils ne veulent pas eux-mêmes être malades, mais ils se repaissent de chair putréfiée. Sympa. Bah, c'est pratique. Bah, non mais c'est pratique sur Morrowind, tu vois ce que je veux dire, où beaucoup de créatures meurent, ou même il y a le fléau dans 1000 ans à peu près, pas dans 1000 ans mais dans, disons, là où on s'en tient, je dirais que c'est dans 900 ou 800 ans quand Dagoth Ur se réveillera, ou même un peu avant même, hein, il me semble, attends, il me semble qu'il va se réveiller avant Dagoth Ur, mais, et qu'il va répandre le corpus, c'est-à-dire la peste, il y aura énormément de quoi nourrir la population Nyx de Morrowind à ce moment. Il est mignon avec ses petites... comment il se dit? Ou attends, l'orichal qui suivait moi. Oh là là. Merci beaucoup à cette Tipiti qui rejoint la Glou Family. Des bisous et bim. Merci. Il est adorable ce truc, hein. Boing, boing, oui. Boing, boing. Et donc c'est surprenant, cette cité mécanique que Sotha Sil a construite et a dû créer grâce à ses pouvoirs divins phénoménaux, putain Izotti qui a encore de l'avance, grâce à ses pouvoirs divins phénoménaux ou à l'usage de ses automates, ce monde qu'il a modelé à son image, finalement il y a une vie plantière assez riche finalement. Je me dis, comment tu fais pour est-ce qu'il a installé tout ceci virtuellement? Est-ce qu'il l'a ensemencé? Parce qu'il n'y a pas d'oiseaux. Les oiseaux sont essentiels pour déplacer les graines, tu vois. Ah ouais. Est-ce que ce ne sont pas des arbres mais étagés? Qui brillent vachement. J'ai envie de dire bonne question. C'est quoi? C'est quoi sur le coup? J'allais dire non, ça a pas l'air, mais c'est Sotha Sil. Je parierai pas, tu vois. Il y a un petit bouquin à prendre derrière Bob. Ah, j'ai vu, ouais. La guide des mages. Où ça? Normalement, il est là. Il est là. Non, t'as rien? Au sol ici? Là où je suis là. Je le vois pas, j'ai peut-être pris. Je l'ai pris, j'ai pris. Non, en fait, je l'ai peut-être pris ailleurs. Il l'avait peut-être pris une fois, c'est dans tous les possibles. Ouais, c'est pour ça. Du coup, allons-y. Il y a les mêmes emplacements. Ralmir. Hop. Que faites-vous à fureter avec cette horrible bête? Johnny et moi n'avons rien fait. Tu veux que je continue? Oui, je t'en prie. Je cherche le chancelier Gascogne. Vous l'avez vu? Ah, par contre, il faut le dire avec l'accent. Le chancelier. L'accent quoi? Gascogne. Oh, tu m'as déjà vu faire un accent? Pan au cul bordé de cuivre qui est passé en courant? Oui, je l'ai vu. Il traînait ses ridicules jupes d'apôtre derrière lui comme une courroie déchirée. Il avait l'air pressé. Je trouve ça louche, si vous voulez tout savoir. Mon sauroïde a perdu la piste. Par où est-il passé? Mon lézard a perdu la piste. Par où est-il passé? Oui, la Grèce bouche le groin des sauroïdes. C'est pour ça qu'on reste ici. Trop de gâteaux pour Désastres. Je ne veux pas que les connétables voient... Peu importe. Il est parti vers l'ouest. Il a dû laisser des traces de pas dans l'huile. Suivez-les et vous trouverez votre paon. Au revoir. J'ai toujours envie de dire paon et pas pan. Pan, paon, oui c'est pareil. À tout jamais. Terrible, ce n'est pas naturel cette écriture. Suivez les empreintes de pas de Gascogne. Est-ce que tu les vois? Elles sont là. Ouais. Donc on les suit comme dans Scooby-Doo. Exactement. Donc là, c'est dans la flotte, donc il a dû traverser, là. Quelle chance qu'il ait laissé des empreintes aussi visibles. C'est ça, franchement. Et là, tu regardes Désastres, l'espèce de d'argonien vampire multimilliardaire qui est plus vieux que le monde lui-même, et il est où les... Elles sont les empreintes de papates. Les papates. Et tu sniffes. Et tu sniffes. Attends. Et c'est où la piste? T'as trouvé la piste? Elle est où la piste? Là-bas. Trouve la piste. Trouve la piste. Elle est où la piste? Elle est où la piste? Et tu sais le pire c'est que l'autre essaie de conserver sa dignité, mais quelque part il a la queue qui remue de gauche à droite très rapidement. Les réactions physiologiques dégueulasses. Ah ah. Ordre d'assassinat. Voyons voir. Dans l'ombre de la nuit, écoutez mes paroles. D'accord, c'est clairement un Nocturne. Le chancelier Gascogne nous a trahis. S'il traverse le ravin, capturez-le. Si cela s'avère impossible, tuez-le. Il ne peut pas se cacher. Très bien. Toi aussi, t'as une petite voix. Ouais, c'est un man de corbeau, je sais pas où elle est. Je sais pas où elle est, cette chienne. Ok, suivez les empreintes, encore une fois. On continue. Oh, attends, il y a un coffre, là. Oh là là. Ah non, c'est juste un tuyau, pardon. Oh. Mais excuse. Oh, attends, il y a un truc qui brille, là. Il y a un pont outre d'eau. Là, on est foutu là. Ça y est, on a perdu les traces. On a perdu les traces. Elles sont où les traces? Elles sont où les traces des astres? Elles sont où les traces? C'est par là. Ah, une roue. Bois de récupération. Ah merde. Ici. Ah là là. Ça faisait longtemps. Izotti. Un man de corbeau passereau. Mettons-nous en vue intérieure et profitons des graphismes absolument fantastiques. Voilà. Nickel. Voilà, c'est plutôt bien passé. Qu'est-ce que c'est que cette couille? Une couille de boule. Non, parce que là, Attends, il verrait une grande boule de flipper. Bob, il voit une. En plus, ça sonne creux. Écoute, les grands mystères de Morrowind. Avançons, avançons. Mais tu verras, j'ai exactement la même chez moi. C'est un signe. On t'a vu? On t'a vu, Izotti? On t'a vu t'installer? La magie a disparu. Merci beaucoup, Belgian Dude. Tu rejoins la Glue Family, des bisous. Et bim. Merci. Là-bas. Ça avance dans ce marais, mais... Chercher les traces. Ah, voilà. On est bien, on est bien, on avance, on progresse. Hein. Oui, on progresse bien. Et merci beaucoup à Inderdodo qui rejoint aussi la Glou Family. Votre salaud de chancelier vous a devancé. Ah, on parle à la sorcière. Qui êtes-vous? Êtes-vous l'un des agents pleurnichards de ville? Gascogne n'est plus dans la course. Laissez-moi retourner en paix vers ma maîtresse. Ah, c'est donc bel et bien une servitrice pardon, de Nocturne, ça se voit à ses habits, parce qu'elle emporte le symbole au niveau du nombril. Par contre, le truc, c'est comment ça, ville? Ville Clavicus? Il y a deux Daedra qui fritent ou... C'est Gascogne qui vous a fait ça? Il est où ce con? À l'ouest, dans le terminus ventral. Il m'a peut-être tué, mais il ne tiendra pas très longtemps. Il a scellé son destin au moment où il nous a trahis. Il existait un pacte entre Gascogne, le vil Clavicus et ma maîtresse. Mais il l'a rompu. Il va se noyer dans son propre sang. Pas si on peut le noyer dans son propre sang d'abord. Maîtresse de la nuit. J'arrive. De quoi voulez-vous parler, braves gens? Ça m'a l'air important, si je puis me permettre. Parlez-moi de ce pacte. Allons-y, parlez-moi de ce pacte. Gascogne avait juré de nous livrer un artefact très puissant. Cet artefact a disparu. Mais ne vous inquiétez pas. Ma maîtresse lui arrachera bientôt la vérité. Les ombres murmurantes obtiendront cet artefact. Et vous mourrez tous, assourdis par vos propres cris. Attends. Un artefact boss. Oh! Ah! D'accord! Ah bah oui! Et c'est pour ça qu'il y a Divayth Fyr. Ah! Tout s'explique! Je sais quelle partie de l'histoire on est en train de vivre. Je sais de quel artefact il s'agit. C'est un artefact qui est prétendument sous la tutelle de Nocturne, mais qui n'a pas été créé par Nocturne. C'est ça la grande différence. Et tout le monde croit qu'elle a été créée par Nocturne, alors qu'en fait c'était juste une passation. Mais il est tombé entre les mains de Divayth Fyr par la suite, et il sera récupéré par le protagoniste principal de Morrowind dans les sous-sols de Divayth Fyr, dans The Elder Scrolls 3 Morrowind. Donc je sais de quel artefact il s'agit, je ne vais pas vous le spoiler. Vous avez mentionné le ville Clavicus, ses agents se trouvent dans la cité mécanique. Bah, ils sont dans la cité mécanique. Vous ne vous doutez vraiment de rien, hein? Les forces d'Edric conspirent dans toutes les ombres, rôdent derrière chaque arbre, chaque pierre. Nous nous répandons comme une épidémie et avalons davantage d'armes. Bon, je la coupe, ça suffit, répondez à ma question. Oui, des Scaffines et d'autres. Ils ont rempli leur rôle, mais ça tarde encore. Ils entravent les projets de ma maîtresse et protègent ce crapaud de Gascogne. Je ne dirai rien de plus. C'est une belle affirmation, madame. Vous allez mourir. Bon. Non, je pas juste derrière. Ça joue la pièce. Ok. Trouver la cachette de Gascogne. Elle nous avait dit quoi à l'ouest? Je sais plus. Sud-ouest. Sud-ouest. Ah oui, c'est là. Attends, il y a un robot. Ah, et il t'a rien fait ce robot? Je sais pas, il vaut des points. Bon, est-ce que tu as vu... Est-ce qu'ils t'en parlait sur le chat de la première, citoyenne robot à l'intelligence artificielle ou pas, Bob? Comment ça? En vrai ou... Oui. Ah là là, personne t'en a parlé, c'est vrai que tu regardes. Il y en a une? C'était pas, oui, pas Tay Tay, celle qui était sur Twitter mais qui était devenue nazie? Enfin, non, moi je me souviens de celle-là. Non, non. Moi je me souviens de celle-là. En Arabie Saoudite, c'est ça? Je sais plus. Ah, peut-être. Tu vas voir. Bah écoute. Si ça les amuse. Le traître ne peut pas être loin. C'est le premier pas. Bon, pour moi. L'oratoire du sanctuaire est découvert, on pourra s'y retéléporter à loisir. Factotum chercheuse. C'est donc pour ça que les factotum sont devenus fous. Contrôlés par l'ombre de Sotha Sil qui a pu les réprogrammer. Enfin, les reprogrammer, mais tu m'as compris. Alors, les arrivent. C'est marrant parce que comme on est sur le live, il y a tellement de gens qui nous accompagnent. Ça fout un bordel. Mais c'est le genre de joyeux bordel, tu sais. Tant qu'ils me laissent taper sur des trucs, moi je suis content. Je suis pas Fred, mais quand même. Oh là, il y a une touche rémanente. Non, pas touche rémanente. Non, pas la touche rémanente du mal. La touche rémanente du mal. Pas que je désactive ça. Enfin, je sais pas si ça se désactive. Que... Si, ça se désactive, ça se désactive. Qu'est-ce que... Journal d'un mage égaré. Qui a débuté? Le chien du mage. Ah merde. J'ai chopé une quête, j'ai pas fait exprès. Bon, on prend pas, hein. Je pourrais te la pâter, je pourrais te la passer, c'est pas grave. Hop. Un sauroïde infectieux. Voilà. Il a pas fait long. Un serpent. Ah, c'est un bronzilique. Il y avait un rouage dans le serpent, c'est adorable. Pas pratique pour le serpent. Ou attends, qu'est-ce que c'est que ça? Ça brille là. Ah oui. Mais quoi qu'il brille. De quoi ça? Il y a un succès, je crois, pour ça. Il faut aller récupérer des objets comme ça dans toute la map. Attends. Ouais, ça s'escalade. Ça s'escalade, ça s'escalade. Ah non. Voilà. C'est bon. Badabada. Bon. Je sais pas ce que ça aura fait, mais. Ah merde, erreur de ma part. Qu'est-ce que tu as fait? Ah oui. J'ai beaucoup à vous. c'est pas grave. Oui, c'est conséquentiel. Faites de l'XP. Oui, bien sûr, c'est inconséquentiel, c'est juste que voilà, c'est ma surprise. 7000, ils sont deux. Quelqu'un a sauté, on va voir s'il survit. Ah, triste. Il a mouru. Il a mouru. Et donc, nous, faut qu'on aille en bas. Oh, j'ai tenu. Oh, c'est net. Attention. En fait, faut atterrir sur le... Si t'atterris sur l'arbre, ça va. Allez, debout, Nizarit. Allez. C'est bon. Par le pouvoir de Satan, relève-toi. Oh, il se relève, c'est beau. Merci, Satan. Du coup. Le mec, tu sais. Redguard. Reste tomber. Des rations intactes. C'est des indices, c'est des indices. Bandelette de robe d'apôtre. Il a lâché son sac à bouffe et il a lâché ses vêtements. Enfin, vêtements, on a compris. Enquêtez sur ce canyon. Suivez Snifflet. T'es où, Snifflet? Snifflet. Je l'ai pas vu. Ah, t'es là. Vas-y. Des cellules de barre d'énergie. Bah merde, c'est pas un robot, c'est un joueur. Ah, il a le skin, d'accord, je comprends. Mais arrêtez de me jeter de la merde. C'est pas vrai, ça. Qu'est-ce que tu fais, Snifflet? Qui va là? Il est où, audiomètre ventral. Il est là, c'est l'audiomètre en fait. On parle à l'interphone en fait. Ah! Tu me dis quand tu cliques. 3, 2, 1, clic. Du balai, qui que vous soyez, j'ai scellé la porte et elle le restera aussi longtemps que nécessaire. Chancelier Gascogne, c'est Varouni qui m'envoie vous chercher. Nous avons quelques questions à vous poser. Ouvrez! Des questions? Vous me croyez assez bête pour vous laisser entrer? Non, cette porte reste fermée. Il me faut juste le temps de régler le problème, d'arranger les choses. C'est très simple. Lâchez-moi. C'est très simple, c'est très simple. Le mec, il fait des pactes avec Clavicus Vile, il fait des pactes avec Nocturne, hein, il invoque des Daedra, hein, il désacralise il permet la désacralisation de l'un des trois dieux Almsivi des tribunaux, hein, dans son propre monde créé virtuellement pour ça. Et le mec, il croit il va bien s'en sortir en payant une amende, hein. Le mec, il a cru qu'on était où, au Zimbabwe? Allez, vas-y, clique. Je parle à qui je veux, ça ne vous regarde pas. Vous êtes bien comme Varouni, vous. Quelle étroitesse d'esprit, quelle naïveté. Partez si vous tenez à la vie. Tout de suite. Jamais. Ici la police. Ouvrez, putain. N'ouvre pas ce con, qu'est-ce qu'on fait? Trouver une autre entrée. Ah, c'est trouver une autre entrée. Bon. Alors. Il doit y avoir des tuyaux à l'infini. Il doit y avoir des tuyaux... Ah ah. Non, non. À mon avis, il faut faire le tour, je sais pas. C'est le plus haut. Alors. Voir si à un moment on peut partir sur la droite. Ouais, c'est ce que je... Il doit falloir faire un grand tour, je pense. Non, 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 objection, il faut partir sur la gauche, il y a un pont. T'as vu quelque chose? Il y a un pont, il faut qu'on parte sur la gauche. Ok. Là, c'est bon, j'ai trouvé, peut-être. Ouais, c'est bon, j'ai trouvé, par là. Ah, nice. Je t'attends. Qui nous évite un grand tour. Voilà, regardez, on monte par le... Oh, oh, un Khajiit. Alors attendez, attendez avant de l'attaquer. Un Khajiit, c'était une race de goire, c'est l'équivalent d'un taureau goire en fait, et c'est vachement... Et bordel. Voilà. Je disais donc, voilà. Et c'est vachement... c'est déjà vachement rare d'en trouver à Morrowind, à l'époque de Morrowind, mais en plus c'est un cyborg, donc le design est encore plus cool. On le démonte. Voilà. Merci beaucoup à LolDev qui rejoint la Glue Family, des bisous, et bim. On fait... des tranches veines, du tissu déchiré. Ah ah ah. Mon jeu à freeze. Ah. Ah ah. Oh, Ezo ne répond pas. Ah, petit crash. Ah merde. Le petit crash, est-ce que ça va niquer ton enregistrement ou... Pas du tout, c'est vu que tu veux capturer un PC. Ah bah très bien. Hop, je relance directement. Eh bah écoute. Pendant que tu relances, moi je vais voir si je peux pas changer d'armure. Après tout, on m'en a offert une. Et ce serait con. Comme ça, il y a le logo Bethesda, ça fait de la pub, tout ça. J'aimerais bien qu'on trouve un endroit de calme. En fait, non, on changera d'armure quand on en aura fini avec cette quête. Je cache le jeu le temps de... Vas-y, vas-y. Taper mon passe. qui va bien vouloir. Et sinon, des as, tu manipules autre chose que le bâton de soin. Combien d'armes tu maîtrises? Là, j'ai bâton de soin et épée bouclier sur ce perso. Épée bouclier. Ouais. Mais tu maîtrises plus de choses, non? Moi, j'ai essayé de commencer l'arc, ça sert à rien, mais tu sais, c'est cool d'avoir un truc distance de temps en temps. J'ai le bâton de destruction aussi. Ah. Ça fait du sens. Pur mage alors. Ouais. Bon. Ouah, lézard ninja. Ou c'est un chat? Non, c'est un Khajiit. C'est un Khajiit, ouais, pardon. Ah. Impossible de se connecter au serveur du jeu. Eh bien, on va retenter. Hein, ouais. Et au grand pire, redémarrage de PC. En fait, là, il vient de me déconnecter mon ancienne version, je pense. Ah. Je me fais tirer dessus par qui? Alors, pas de panique. Pas de panique. Ah, ça y est. Enfin, ça y est, je suis à l'écran de sélection de perso. Tout va bien. Bon signe. Oula, regarde, regarde. Attends, il va voler lui. Oh, la chute! Ça, c'est beau, ça. Ah, je suis fier de moi. Ah, c'était beau, ça. Voilà, c'est beau, ça. On est bon. Merci beaucoup, Ecléos, qui nous dit E2-2. Et bim. Ça l'a tué ou ça n'a servi à rien, en fait? Je crois qu'il n'y a pas de dégâts de chute. Si, si, elle a survécu. C'est bon, me voilà. Donc, où est-ce que vous? Je suis dégoûté. Là, c'est parfait. Attends, je peux peut-être viser. Attends, bouge pas. Voilà, on a rien. Ah non, non, je peux pas. J'ai essayé de balancer l'ultra à cette distance, mais ça passe pas. Tu là, par contre, désastre, tu vas toi. C'est dommage, je pensais vraiment que ça allait le buter. En plus, ça aurait été ultra cool. Ouais, j'avoue. Ça aurait été ultra cool. J'aurais-il que voilà l'entrée secondaire. Hop. Ah, à savoir, oui, attends, ça c'est un vrai astuce. Si tu fais une roulade en te jetant d'un bord, tu auras moins de dégâts à l'arrivée. C'est grand classique. C'est pratique. Ok, allons-y. T'as quel merdier. Il y a quand même Izotti qui passe sa soirée à se dire vite, faut que j'aille avant eux à un endroit et que je me pose d'une façon classe. Hein. Je veux pas balancer. C'est classe. Mais... Quelqu'un sur le chat dit, pour info, tu disais que ça t'étonnerait que les arbres soient métalliques, mais c'est le cas, c'est confirmé dans une quête secondaire, quand on les regarde de près, ça se voit. Donc effectivement, merde, t'avais raison. T'avais raison. Le lézard avait raison, encore une fois. Non, mais faut. Always trust in the lizard. Voilà, c'est le lézard, c'est. Il ne se souvient plus pourquoi, mais il sait. Mais les arbres sont donc métalliques, sont putain, mais. Le niveau de Factotum Chevalier Vapeur et un autre. Ouais, il vient vers nous. Lui, par contre, il est pas content. On descend, il y en a... Non, je sais pas s'il va s'activer celui-là. T'actives toi? Je sais pas ce qu'on fait là actuellement, mais... On cherche Gascogne. On cherche Gascogne, je veux bien, mais... On se balade juste dans son usine à lui, en fait. Il y a un cristal à côté, ça compte ou pas? Non, ça compte pas. Oula. Bien vu, bien vu. Fouiller les caisses, hein, toujours. Là, il y a des pots, il y a d'autres monstres. Ah, on est moyen. Toujours pratique. On est dans un cul-de-sac. Ouais, si, mais quelques caisses, c'est toujours pratique pour avoir du matos. On peut monter? Ouais, ici, non. Comme ça. Ah oui, non. Mais si on monte, désastre, où est-ce qu'on va? Dans une cul-de-sac. Non. On revient à la porte d'entrée. Parce que tu n'as pas du tout de sens de l'orientation. Encore pire que moi. Ah bah c'est quand il a pas de traces à sniffer. Quand on lui dit pas, c'est où les traces, eh bah il se perd lui tout de suite, c'est direct. Il cherche des traces. En même temps le machin il se souvient pas de son nom, donc pour qu'il se souvienne où il habite, faut... C'est bien Izotti, juste. Je me moquais gentiment, je trouve ça classe. Il faut suivre l'Izotti en fait. L'Izotti c'est... Alors, manuel d'opération de l'imparfait. À moins de pouvoir briser la roche mère, vous ne me trouverez jamais. Briser la roche mère? Manuel d'opération. Ah oui. Est-ce que c'est important? Il faut lire le manuel d'opération. Merci beaucoup, Camille, qui se rabonne pour la 5e fois. Ouais, assurez-vous qu'un noyau d'animaux inertes et vides est fermement verrouillé dans le berceau de l'unité de remplissage de Distia. Donc ça, c'est l'étape. Un noyau d'animaux, c'est les noyaux d'énergie Dwemer avec les pierres d'âme, tu sais, comme les espèces de cristaux que tu trouves sur les monstres Dwemer, sur tous les autres Elder Scrolls. Donc ça, c'est pour charger les noyaux d'animaux. Deuxième étape, assurez-vous que les valves du flux sont correctement ouvertes. Basculez, donc troisième étape, basculez le levier de Distia géodésique sur remplir. laisser le noyau se remplir entièrement, puis déverrouiller le berceau de la station de remplissage et retirer le noyau. C'est une station de remplissage de noyau. Oh, pardon, excuse-moi. J'exprime mon extase et mon impressionnisme parce qu'en fait, dans tous les autres Elder Scrolls, il est à chaque fois, comment dire, imprimer le fait assez fort, tu vois, il t'éduque assez fort en disant que tout ce qui est Dwemer, on ne peut plus le reproduire. Dans le sens où les piles Dwemer, elles existent, un jour elles s'épuisent et tu peux plus les reproduire, tu vois ce que je veux dire, on n'a pas les moyens de les remplir, on n'a plus la technologie. Mais là, on peut. Et lui apparemment il l'a, donc c'est impressionnant. Bon, va falloir aligner les valves, alors comment on va faire ça? On appuie tous ou on essaye? Non, attends, attends. Moi je sais mais je vais vous laisser. Une seconde. Alors qu'est-ce qu'on a comme indication? Non, attends, une seconde. Si là t'as propagé la fumée. Oui, ah, oui. La fumée se propage. Vas-y. Alors... non, il n'y a plus la fumée, c'est normal. Ah, elle est partie là-bas, là. Faut la... Écoute, attends. Attends, est-ce qu'on peut réinitialiser? Réinitialisons. On réinitialise. Ok, c'est réinitialisé. Alors, on va déjà commencer dans l'ordre, on va suivre la fumée. Voilà. Du coup, okay, la fumée donc là, on est là. Bon. Là, maintenant, coup, la fumée, elle passe ici. Voilà. Dessous, on suit le tuyau. Donc, ça va aller... non, c'est pas bon, là, je pense. C'est pas bon, c'est pas bon. Non, Bob. Faut remettre un petit coup là. Faut remettre un coup ici, ouais. Vas-y, désastre. Ah, et pour laisser plus la fumée passer, tu veux dire? Non, mais la fumée... ouais, c'est ça, et elle arrive là. Ok, c'est bon. Donc là, on est bon, vas-y, tourne, je te dis. C'est bon. Là, c'est pas bon. Là, ça pchit. Non, c'est pas bon. Non, c'est pas bon, c'est pas bon. Ouais. Attends, dans ce cas-là, on remet un coup. C'est bon. Voilà, et là, ça pchit. Ok. Et donc là, tu le tournes, vas-y. Vas-y, je te le fais. Ok, ok. Je te dirai. Donc là, c'est ouais, là c'est bon. Là c'est bon, donc tu pchites. Vas-y, je vais le faire. Normalement, on arrive ici. Et c'est bon. Voilà, et prenez le noyau d'animaux chargés. Et si on le charge à l'intérieur, donc... ah bon, c'est un factotum, mais le fonctionnement est le même que les Dwemer. Il est beau, n'empêche. Ouais. Placez le noyau... dans l'imparfait. C'est quoi le... c'est le gros machin là? Ouais. Oui. Oh là là glaces, là là là. Putain, il est comme dans Judge Dredd, tu vois. Fonction, garde du corps. Mission, on va à la guerre. La guerre. Oh là là, oui, celui de Stallone. Évidemment celui de Stallone. Il y a celui que Stallone. Non, il est génial. Je sais, mais je déconne. Enfin, moi j'aime bien aussi celui de Stallone, même si... les deux sont bons, ils sont différents, mais ils sont bons. Il s'est arrêté déjà. Ah bah, la pile était peu remplie. Trouver un autre... déjà? Ah oui, d'accord. Allez, couchez. Et bon. Ok. Trouver un autre noyau d'animaux. Ouais, non, ça va vite. Hein. Alors. Ça va vite, ça va vite. Ah, c'est de l'autre côté, on a l'indication. C'est presque embêtant ces indications de quête en vrai. Non. Ça nous dit tout quoi. C'est quand même pratique. C'est quand même pratique. Mais j'avoue que j'aurais plus joué sur la zone, tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, oui. Alors, je pense qu'il faut monter. Les caisses. Oula, attention. Du monde là. Non, c'est du faux, c'est du faux. Ah, c'est du petit. Ouais, c'est pour du beurre, c'est pour du beurre. C'est potes, ils arrivent. Eh bon. Oh là là, level up. Niveau 15. Bien joué, bien joué. Attends, je vais prendre mes récompenses et mettre mes points. Je m'en charge, occupez-vous d'un autre coin, je l'ai vu tout seul. Hop, changement mandat. Oula, le bâton du prophète. Attends, en fait, il reste que ça pour les gens. Non, c'est bon, je gère. T'inquiète, t'inquiète. dépenser le point. On a des gardiens féroces. Alors, qu'est-ce que c'est pour le frapper avant qu'il me touche, mais... Qu'est-ce que tu me conseilles entre gardien éternel et gardien sauvage pour le, wow, le grizzly? C'est les appellations de... Attends, parce que moi... Nouvel effet, l'ours réapparaît lorsqu'il est tué ou inflige davantage de dégâts physiques. Ah, tu parles pour l'ultime? Ouais. Moi, je prendrais celui qui fait plus de dégâts. Oui, initialement, le but, c'est que ça meure pas, quoi. Enfin... Oui, je suis assez d'accord. Hein. Évolution déconseillée. En plus, il me le déconseille. On va le faire. Ah merde. Parce qu'en fait, ça, c'est quand t'es en conseiller en compétence, le rouage, en fait, tu peux choisir ta spécialité. Il y a gardien initié, etc. Et en fait, ça va t'orienter sur certaines skins. Est-ce qu'il faut le réinvoquer ou pas? Je vais mettre mon arme, ça peut être bien. Mon nouveau bâton. Hop. Une hache de bataille en orichal que j'ai gagnée. Eh ben putain, j'ai pas perdu ma journée moi. Ah, c'est Elfe des Bois le design. Ah, il est dégueulasse. Okay. Oh là là, cette hache, regarde ça. La hache Elfe des Bois, elle est à leur taille. Ah, c'est ridicule. Oh la vache. Ah mais ouais, t'as raison, c'est un pins quoi, c'est un porte-clé le machin, lol. Ah putain, les elfes des Bois. Alors qu'en vrai, un truc de cette taille, on galérerait déjà le manier. Non, 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 s'il te plaît. Oh. Attends, attends, il y a une différence, ça dépend le manche, ça dépend la lame, c'est vrai que la lame est pleine et quoi que ce soit, mais je veux dire, et puis aussi, tu dirais, il y a du mal à le manier, mais le but du jeu, c'est pas que tu le manies comme un perso de JRPG, le but du jeu, c'est qu'il y ait le poids derrière. Si le machin, tu t'en sers comme d'une hachette, mais que t'as besoin d'y mettre un double lame, de plus, ta double lame de hache n'est pas réellement utile. Bref, bref, bon, je vais pas m'étendre dessus. Mais non, je l'ai interrompu. Ouais, moi aussi, en fait, ça va. Je sais pas si on peut. Je reviens tout à l'heure. Oui. Hop, ça va. C'est pas une pile ça? Il n'y a pas moyen de recharger? Je viens de la ramasser la pile. Ah, bien vu. Il faut retourner. Il faut retourner auprès du droïde de combat. Le droïde qui a la classe. Toutes les haches à deux mains et masses à deux mains du jeu ne sont pas grandes. Il n'y a que les épées à deux mains qui ont une belle taille. D'accord. C'est dommage. Alors, il y a des trucs qui pop. Épave de Scapin, ça doit être des larbins de Clavicus Vile. Je suis pas très spécialisé dans le lore de Clavicus Vile, mais. Enfin, de Ville Clavicus, mais. Il est où notre. Ah, faut qu'on les lâche. Ah, mon nounours, il est parti. Ah, oui, il est parti au fond. Tu l'arrêtes plus. C'est bon, c'est géré. C'est géré, pour l'instant tout se passe très bien, brave gens. Mais il y en a encore un là, c'est quoi cette merde? Oui, ah, faites face à Gascogne. Ah, il est là, l'imparfait. On va le suivre. Bah oui, de toute façon il va nous ouvrir la voie. On va faire un gros trou dans le mur. Bon, on va suivre Prouptimus Prime là, allez vas-y. Oh là 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 là! Putain, Sotha Sil, il déconne zéro quand même. Hein. C'est bien quand même avec Eldarsol, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils peuvent nous mettre voilà des mechas, ils peuvent nous mettre des. Mais non, mais attends. Tu sais qu'on est avant la brèche du dragon causée par le Numidium. Donc ouais, si tu veux, je te raconterai une histoire sur les mechas. En plus, elle est liée à Dagoth Ur et à Vivec et tout ça. Donc, mais je te la raconterai juste après cette quête. Et je te jure que tu vas halluciner. Et le pire, c'est que c'est cohérent avec le lore. Voilà. Là, il pourrait faire une extension où tu te bats dans des métiers à la Gundam, mais je suis sûr qu'on pourrait trouver un truc scénaristique qui dit que c'est legit. Ah ben, il suffit de vivre la fin de la deuxième ère, ou je crois c'est au début ou au milieu de la troisième ère, je ne me souviens plus. Mais dans tous les cas, il suffit de vivre la brèche du dragon. Si on vit la brèche du dragon, je te jure que... D'ailleurs, tu peux la vivre, la brèche du dragon, mais dans Daggerfall. Le deuxième jeu d'Elder Scrolls. Mais j'y viendrai. La brèche du dragon, ce n'est pas un lieu géographique, ça n'est pas une montagne, ce n'est pas machin, c'est un événement historique. C'est ça la brèche du dragon, je t'expliquerai ce que c'est. Attends, mais d'abord tuons ces trucs. Ah, c'est comme God of War, les histoires c'est pour le bateau. Voilà, là c'est... Ah, tu l'as fait le dernier God of War? Ouais. Ah là là, je suis en train. très très bon. Oui. Les histoires restent pour le bateau. Boy. Voilà. Moi j'aime bien les... Enfin, tu vois, c'est un petit donjon de l'histoire principale, tout ça. Probablement pas un endroit... Merci beaucoup, Raven. Probablement pas un endroit où on retournera, j'imagine, une fois qu'on aura terminé la quête. Et c'est quand même... Il y a quand même un petit côté grandeur, tu vois, c'est pas... ils n'ont pas fait un petit truc, ils ont fait un truc immense. Ça, moi, je trouve ça cool. Oui, je le reconnais. Cependant, c'est plus grand qu'une ruine Dwemer, voire qu'une ville Dwemer. D'une ruine de ville Dwemer. Tout oui, ça oui. Pour un gars, ça me paraît... Bon, je pense que c'est l'aspect MMO, mais ça me paraît démesuré. Si je puis me permettre. On serait dans le palais de Sotha Sil en personne, là, tu vois, ça me paraît très cohérent. Mais sinon, là, juste la taille, ou alors c'est une usine. Mais, non, juste la taille me paraît... Quoique c'est peut-être ça, hein. Ouais, c'est un petit peu l'usine, hein, ceci dit, hein, donc peut-être que... Est-ce que là, la cité métallique, ça n'est pas que l'usine de Sotha Sil, finalement? Ou de Seth. Enfin, tu l'appelles comme tu veux, mais... Seth étant son nom... Là, son nom mortel. Par là. Du miel, j'ai trouvé du miel. Les robots. Putain, moi la map, elle me dit qu'on est paumé. Hein. Oui, mais c'est pas grave. Bon, au moins ce coup-ci, on n'a pas à chercher un chat à la con. Bon, je m'occupe d'eux. Moi, je lui crois. C'est moi que tu... Ou alors... Oh, si peut-être en descendant ici, on vient... Je sais pas, on va voir. On verra bien. On n'est pas loin, en tout cas. Ça doit être en bas, là. Ouais, moi, je pense que c'est en bas. Voilà, j'aime bien cette attaque, parce que ça met des grosses murges. Ah, ça fait très mal. Oh, j'ai testé la lame noire, c'est ça, le nom de la classe des Astres ? Ouais, le lame noire, oui. Le lame noire, j'adore, hein, vraiment. Ouais, c'est sympa. Ah, mais l'ombre, l'invisibilité, là... C'est sympa, oui. C'est tellement bien pour se balader. C'est ceux qui font un saut par-dessus ta tête pendant qu'ils se battent? Non, là c'est carrément, tu deviens invisible en fait. Tu lances le skill et pendant 3 secondes t'es invisible. Pratique. Ouais. Ah, et t'arrêtes de sauter partout toi? Il suffit de garder, tu sais. Non, oui, non mais j'ai déjà fait une fois, mais il le refait juste derrière, moi j'étais pas... Ah, à mon avis c'est là-bas. On voit Gascogne. Oui. Putain, je trouve des citrons, du seigle et tout, c'est la violence. Ah. Qu'est-ce qu'il fait? Vous m'appelez encore? Je me lasse, mortel. Ah, il s'en va. Il est où? Il est sur là où elle semble. Il a un masque ou pas? Non, là, non, c'est un Daedra, Enfin, c'est un Dremora, Ah, tu parles de lui, ouais, mais tu parles de celui-là. Ça va, on est bon. Eh bon. Qu'est-ce qui nous l'autre? Mazda m'en faire chier. Je me rends, mais suivez-moi à l'extérieur, d'accord? C'est genre le piège, ça. Tout, promis. Rien du tout, le suivez pas. Mais non, mais t'es en état d'arrestation. Arrêtez-moi, monsieur. Monsieur. Oh, le mec, et il marche en dandinant du cul, quoi. Oui, j'avoue, il est là avec ses 2 petits points sur les... Ah, il en a rien à foutre. Le mec, c'est Betty Boop, il me dégoûte. Je suis dégoûté. Le mec, il a Poupidou, tôle. Allez. Moi, je pense qu'il nous a arnaqué. Hein. Il en a rien à foutre de nous, le type. Il nous a baisé la gueule. Et en beauté. Pour pas un rond. Quelle est votre classe, si je puis me permettre? C'est... Gardien, je sais plus quoi. Gardien, ok. Et toi? On a la même. C'est juste gardien en fait en français. Ouais, ouais. C'est ça. C'est Warden. C'est Warden. D'accord, dans ce cas, Templier, moi de mon côté. Ok. C'est pour les gens sur le chat qui posent la question. Ouais, Oh là là. C'est la rareté. Et Izotti toujours là. Très bien. Bon, bah parlons au chancelier Gaston. Je sais à quoi ça ressemble, mais vous devez comprendre. Ces adeptes de l'ombre voulaient m'égorger. Je devais partir. J'étais en danger de mort. Vous devez comprendre. Mettez-vous à table, on a des choses à échanger. Allez, vous allez me goûter ça. D'accord. J'ai conclu un accord avec le vil Clavicus. Je sais, c'est fâcheux. Mais écoutez-moi, il voulait simplement une clé. Si je la lui donnais, il me plaçait à la tête de la cité mécanique. Malheureusement, quelqu'un a volé cette clé avant que je ne la livre. Ah, quelqu'un a volé la clé avant qu'il la livre. Oh, le débile mental. Si c'est la clé à laquelle je pense, il faut le décapiter sur place, ce type. Il est dangereux. Quand même, sa tenue, et, enfin son corps, ses bras, je trouve ça extrêmement classe. Ah bah, c'est un cyborg, mais bon, c'est pas grave. Qui a volé la clé tête, quoi. Parle. Des corbeaux parlants. Ah merde. Après cette terrible histoire avec l'ombre, je suis retourné à mon bureau pour réfléchir. Je suis arrivé juste à temps pour voir l'un de ces affreux oiseaux s'envoler avec l'artefact. J'ai paniqué et je me suis caché ici. Et l'imposteur d'ombre, saviez-vous que Sotha Sil avait été remplacé par son ombre? Sur ma vie, je vous le jure, je voulais guérir la ville, pas la détruire. Si j'avais su, je vous promets que je n'aurais jamais accepté. Ok, il n'y a qu'une seule question qui est importante, faites-moi confiance. Laquelle? Une seule question. Parlez-moi de la clé que vous avez perdue. Elle est élégante, couverte de runes d'Edric. Oh le con. L'un des facteurs l'a trouvée dans les fondations et placée dans la galerie de triage. Je l'y ai prise peu après. Je la croyais à l'abri dans mon bureau, mais ces maudits corbeaux. Des corbacs! Des corbacs, le con! Oui. Des idiots de corbeaux parlants. Ils l'ont prise à mon bureau et se sont envolés avec. Ces adeptes des ombres murmurantes ne la trouveront jamais. Bon, on se casse. D'accord. Ok. Non, faut encore lui parler, donc non, ça ne marche pas. Ah bon? Ah putain. Bon. Je sais à quoi ça. Sur ma vie. Qu'est-ce qu'on lui dit? Je vous le jure. Je voulais dire qu'on a mis la cité mécanique en danger. Ok. T'as mis la cité mécanique en danger, tu vas mourir pour ça. Oui, mes méthodes ont été atypiques. Je l'admets. Mais vous devez comprendre, je n'ai pas fait tout cela pour moi. Je n'agissais que pour la cité. Regardez autour de vous. Des soroïdes sanguinaires, des landes dévastées, des tours à demi effondrées. Tout cela est la faute de Sotha Sil. Ouah, la méthode socialiste. Non, je déconne. Pourquoi la faute lui en revient-elle? Il nous a abandonnés. Pendant qu'il s'amuse dans le Centralis, nous survivons tout juste. Nourris de pâtes nutritives et traqués par des machines tueuses. C'est pas mauvais la pâte nutritive, ta gueule. Devrions-nous l'en remercier? J'y vois clair. Le peuple de la cité mécanique mérite mieux. Oh le mec. Et bon bah moi je propose de lui donner du sel pour qu'il la mette dans sa pâte nutritive et puis il sera plus content. Sans déconner, j'ai goûté ça tout à l'heure, hein, et c'est plus 6000 points de vie max, hein. Sans déconner, c'est pas de la merde, c'est mieux que ce que je cuisine. Bon, c'est vous qui allez sauver le monde? Je le croyais. Écoutez, j'ai eu tort de pactiser avec le vil Clavicus. Je le sais. Proposer des artefacts d'Edric au prince noir... J'ai eu tort. Mais je peux encore être un allié utile. Je connais notre ennemi mieux que quiconque. Vous avez besoin de moi. Alors, le choix, faut choisir, ouais. Écoute, on est trois, c'est au vote. D'accord. Okay, moi je dis qu'on tue pas de l'intelligence potentielle. Voilà. Ah, moi je dis que si. Je connais l'artefact qu'il a vendu. Et honnêtement, rien que pour ça, le mec, je lui fais pas confiance à tenir une tasse de café. Et faire en sorte qu'il nous donne des infos, quoi. Une fois non, il va aller en tôle, on en tôle nulle part. On s'en débarrasse, on l'envoie dans le plan pour qu'il se refasse repurger l'âme en Aetherium, qu'il se réincarne et on n'en parle plus. Non, c'est Désastre qui va choisir. Ah. Allez, ben on lui flingue la gueule. Et le mec, le lézard, il est toujours en mode presbyte. Donc la 2. Ouais, allez, la 2. On le bute? Ouais. On le bute, super. Vous avez vendu la cité à des forces d'Edric. Vous ne méritez pas de vivre. Ok. Oh, ah oui. Oh, tu lui as ouvert la gorge, quoi. Oh, c'était métal. Oh, c'est bon, ça. Excellent. Honnêtement, Krayn, je sais que tu t'en sens mal, mais dis-toi que... Non, mais dis-toi vraiment, vraiment, quand tu sauras quel artefact il a filé... Honnêtement, c'est tout ce qu'il mérite. On lui rend service. Oh, en plus. Non, pas que non. Alors, on lui a pas rendu service. Tu sais pourquoi? Parce que s'il a fait un pacte avec Clavicus Vile, il est probablement dans son plan là. Ah. Et mais c'est son affaire. Écoute, hein. Si tu fais un pacte où tu vends ton âme à Satan, tu te plains pas quand t'arrives en enfer après. Exactement. Voilà. Merde. À un moment, il était adulte et responsable. On traite pas les gens comme des enfants. Il prend les responsabilités qu'il a prises. Oula. Mais qui est-on pour passer le jugement? Les mecs avec les couteaux. Voilà. Les mecs avec les couteaux qui auraient été responsables avec ce genre d'artefact. Genre on laisse pas tirer. Il s'est pris 3 coups de couteau le type quoi. Non mais voilà quoi. Non, moi j'ai vu que le tien, en fait. Ah. Moi je t'ai vu juste lui ouvrir la gorge en mode presbyte. Moi j'ai pas vu, j'ai vu qu'on lui avait ouvert la gorge mais j'ai pas vu qui a ouvert la gorge. Ah c'est pas grave. Alors attends. T'es sûr de toi là parce qu'on s'en... Ouais on retourne à la cité en fait. Je vais pas prendre le chemin. On s'y téléporteur. Ouh attendez, sur la gauche il y a l'observatoire antérieur. Est-ce qu'on peut juste faire un détour? Un petit détour. Ah si tu peux aller le voir, tu peux même cliquer directement. Oui je peux, on peut y aller directement, c'est juste que je préfère faire la route parce que c'est plus RP. Moi j'aime bien, oui je préfère. Oh oui en plus là il y a un coffre, regarde ça on va tout gagner. Allez, vol! Est-ce que vous avez des crochets? Merci beaucoup, Alarme le pingouin. On a des milliards de crochets. C'est la base. Ça va, il est simple. Je crois des crochets, j'en ai genre 67. Et je crois pas avoir cassé un crochet depuis le début. Je les connais. Le talent. Non, mais c'est très simple, hein, vraiment. Ah, les coffres maîtres, ils sont là-bas, c'est quoi? C'est un gros donjon? Non, 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 non. Enfin, oui, mais non, mais c'est une question de réflexe et de doigté. Ouais, voilà. Attention! Un serpent mais c'est un robot. Attends, et l'autre il dit si tu regardes d'assez près tu peux voir que c'est robotique. C'est vrai que ça ressemble un peu à du cuivre hein, les arbres. Ouais on le voit parce qu'ils ont des reflets avec le soleil. Ouais, attends je cherche un vrai arbre là, regarde par exemple. Tu vois celui d'en face. Ah putain ouais, le truc il est en cuivre quoi. Ah, ouais. Ah on dirait une œuvre d'art. C'est une œuvre d'art. C'est bien foutu. C'est chaud hein. Putain, Sotha Sil, il atteint des niveaux d'autisme. Oui, j'avoue, d'ailleurs, quand tu fais rarement, faut pas te pencher dessus. Hein, parce que... Bah, mais quelque part, tu te dis que c'est pour ça qu'il est pote avec Divayth Fyr aussi. Tu sens que les deux sont chou. Tu sens que c'est vraiment deux compagnons qui pourraient passer leur après-midi entière à faire des recherches scientifiques et à pas se parler pendant 2 semaines, mais en vivant dans la même pièce. Non, mais voilà. Trop focus, quoi. Mais c'est ça, c'est ça. On parle quand même d'un côté d'un mec qui a fait une cité mécanique et d'un autre qui a fait 4 waifus à partir de sa côte. Hein. Non mais il y a des niveaux. Alors là, tu veux aller voir quoi là? L'observatoire antérieur, invitation. Moi je visite l'invitation. Ouais, je visite. Ah c'est la maison qu'on peut acheter, d'accord. Ouais. Est-ce qu'on peut la voir meublée ou pas du tout? Oui bien sûr. Normalement oui. Comment tu fais? Alors normalement tu fais F5 et en fait c'est... Attends, option d'achat. Ah. Et tu peux la voir, tu peux faire un aperçu meublé. Aperçu. Oh. Oh là là la vue. Oh. Ah putain tu vis dans une poké-couille quand même. Ouais ça charge pas. Ah moi je suis toujours en chargement. Moi mon PC il y a un budget tu vois. Ça y est, c'est bon. Donc, je crois qu'on n'est pas ensemble. 5 meublés. Aperçu. Oh, c'est sympa. Ok. C'est sympa, c'est sympa. C'est très sympa les cités de Sotha Sil, pourquoi? Parce que ça ressemble énormément au style Dwemer, ce qui est encore une fois en rapport avec, bien évidemment, Sotha Sil en lui-même, vu qu'il était un des amis slash conseillers de Nerevar, le plus grand général qui a réuni les peuplades des elfes noirs, avant qu'ils deviennent même des elfes noirs. À l'époque ils étaient encore des elfes jaunes, hein, c'était encore des Altmer, ou des Altmer pardon. Et du coup putain, oh là 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 là. L'extérieur il est trop beau. L'intérieur, la bibliothèque. Alors c'est une bibliothèque. Hein. Oui. Oh là 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 là. J'avoue c'est pas mal, hein. C'est pas mon style préféré parce que moi je suis pas fan des Dwemer, vraiment hein, le style Dwemer ça me guérit, j'aime pas. Mais le style Sotha Sil c'est un style Dwemer un peu adouci je trouve. Il y a un sous-sol, je sais pas si vous avez remarqué. Ah non parce que j'étais en train de me dire que c'était un peu petit, enfin c'était pas petit mais... En fait à l'entrée à droite, mais oui. Par contre le plumard en cuivre, je sais pas vous, mais moi ça me paraît pas... Ah oui il y a un truc à actionner en effet. Exactement. Le sous-sol de l'observatoire. Voyons voir. Alors... Oh! Oh bah voilà, le laboratoire forcément. Le laboratoire Garnier évidemment. La terrasse de l'observatoire, on va pouvoir regarder ça aussi. Ouais, non, avec la penderie, les trucs. Je préfère ma maison. Hein. Elle est bien, oui, mais oui, je me vois pas y vivre, quoi. Eh ben, je suis pas très fan du style Rouge-Garde, mais ta maison est sympa, j'avoue. J'avoue. Ah, il faudrait que je trouve, moi, une maison qui me va. Moi, j'aime bien la chambre d'auberge que j'ai, qui est toute crampée, pourrie, tu sais. J'aimerais bien réussir à faire un lit, parce que je trouve pas les recettes pour crafter les meubles et les choses comme ça, ou alors ça a l'air très cher. J'aimerais bien juste crafter un lit de merde, en fait. Ou alors, s'il y a des gens qui sont sur les chats et qui ont le jeu et qui savent crafter des meubles, s'il y a des gens qui savent crafter des meubles, envoyez-moi tout et n'importe quoi. Moi, je... des tables, des tapis, des chaises, moi, je... J'ai raté. Tu disais quoi, Krayn? Ah, j'ai essayé de tomber à l'extérieur parce qu'il y avait un petit rebord à un endroit et il a pas voulu. Ah oui, l'histoire sur les mechas. Est-ce que vous la voulez? Oui, oui, vas-y. Très bien. Alors, si tu te souviens, dans Morrowind, le combat contre que Dagoth Ur, un des quatre grands méchants, enfin un des grands méchants contre Vivec, Almalexia et Sotha Sil, enfin surtout Vivec parce que c'est le seul à faire quelque chose contre ça en l'occurrence. Dagoth Ur essaie d'utiliser le cœur de Lorkhan, qui est le cœur battant du corps du monde, Lorkhan étant un dieu qui s'est laissé mourir et qui est devenu la planète. Enfin, il s'est pas laissé mourir, mais il s'est laissé durtifier, il est devenu la planète. Littéralement toute la planète, tu vois. Voilà. Ouais. Et il a un cœur, et lorsque tu as accès à ce cœur, tu peux avoir accès à une divinité en puisant des pouvoirs suprêmes et cosmiques et phénoménaux à partir de ce cœur. Jusque-là, tu suis. Oui. Dagoth Ur voulait conquérir le monde en utilisant et en reconstruisant le Numidium, qu'il a renommé Akulakan, mais on s'en fout. Le Numidium, c'est un espèce de Gundam titanesque, gigantesque, un Gundam immense que les Dwemer ont tenté de reconstruire et dont ils ont été à l'origine il y a de cela plusieurs milliers d'années, à savoir que dans The Elder Scrolls 2 Daggerfall, la fin de la quête, t'as une fin de quête, te permet de prendre le contrôle de ce Numidium, qui est ce Gundam géant, grâce à un objet qui s'appelle le Mantella, qui est un objet qui permet de l'alimenter en fait, hein, c'est le noyau, tu vois ce que je veux dire, c'est un fragment du cœur de... Bon, mais bref, tu as un Gundam qui permet de prendre le contrôle de... C'est comme dans Fallout, tu as fait Fallout, Krayn, ou pas? Non. Non, Fallout 3, bon, à la fin de Fallout 3, tu as le je sais plus, je crois que c'est le super robot de la mort, de la destruction, voilà, qui te permet de prendre le contrôle justement du pays. C'est le dernier Gundam. Mais quand je dis Gundam, c'est Optimus Prime à côté, c'est rien. Hein. C'est un Gundam, il déconne zéro. Le Numidium, c'est un Gundam qui a un revêtement anti-dieu, et qui fonctionne un peu comme dans Hearthstone, tu sais, les cartes qui ne peuvent pas être visées par les champions ennemis. Tu vois? Ouais, d'accord. Enfin, voilà, donc c'est le même principe. Ça veut dire que les dieux ne peuvent pas l'affecter. T'es obligé de le détruire physiquement avec tes mimines, tes arcs et tes flèches. Le problème, c'est que c'est un Gundam. Voilà. Et quand toi en face, t'as des épées, des boucliers et des poutres, ça va 5 minutes, mais t'es pas un Ewok, tu vois, ça passe pas. Et donc à la fin de The Elder Scrolls 2 Daggerfall, tu as le choix de lever le Numidium pour plusieurs factions. Tu as le choix de donner la clé du Numidium et de piloter le Numidium pour conquérir toute la zone de l'enclume, hein, donc toute la partie en haut à gauche de Tamriel. Tu peux faire ça pour les orques, ou alors tu peux faire ça pour le roi des Bretons, ou alors tu peux faire ça pour le roi des Rougegardes, ou alors tu peux faire ça pour le roi des... Tu vois, pour toutes les factions presque. D'accord. Tu peux même donner le Mantella et le Numidium à Mannimarco, le roi des Verts, le méchant de tes eaux, tu vois. Et d'ailleurs, il s'en sert pour devenir le dieu des Verts. C'est pour te dire à quel point c'est puissant comme saloperie. Hein. Et d'ailleurs, il s'en sert pour devenir le dieu des Verts. C'est pas... Quoi, Saint-Étienne? Désolé. Bah, les Verts. Parce que c'est les meilleurs, évidemment. Ah, mais non, mais tu vois ce que je veux dire, là, ça, évidemment. Et en fait, il s'est passé un truc, donc cette fin de Daggerfall, tu vas me dire, oui, mais quelle est la bonne fin? Tu vois? Quelle est la fin qui a été décidée pour la suite de l'histoire? Est-ce que c'est les Rougegardes qui ont gagné? Est-ce que c'est les Bretons qui ont gagné? Est-ce que c'est les Orques qui ont gagné? Tu vois, c'est la vraie question. Et bien, il s'est passé un truc qui s'appelle la faille du dragon. Les failles du dragon sont des événements qui arrivent dans l'univers lorsque Akatosh, le dragon du temps, du dieu de la création de tout machin et tout, est obligé de régler un paradoxe temporel. En vérité, pendant 2 à 3 jours, il s'est passé une espèce de phase mystique ésotérique pendant lesquelles les 4 fins, ou les 5 fins, des 5 factions, étaient valides. C'est-à-dire, pendant 2 jours, les orques ont contrôlé la totalité de l'enclume, les bretons ont contrôlé la totalité de l'enclume, les impériaux ont contrôlé la totalité de l'enclume, les orques ont contrôlé la totalité de l'enclume, tout ceci en même temps. c'est un paradoxe temporel. Pendant 3 jours, il y a eu un espèce de méli-mélo de fou. C'est comme si tu regardais ta mère et qu'elle était à la fois brune, blonde, chauve, jeune, noire, et que c'était un homme, en même temps, mais que tu voyais aussi les autres aspects. Voilà. Et quand ça arrive, généralement Akatosh, le dieu du temps, se réveille et il se passe un truc qui s'appelle la brèche du dragon, où il essaye de recoller les fragments de la réalité, de manière à ce que la continuité ne se brise pas et que ce soit un peu cohérent. Et du coup, il en est avenu qu'après cette brèche du dragon, qui est une espèce de shift temporel gigantesque, un peu comme dans l'aventure, tu sais, comme nous on essayait de refaire la faille temporelle, tu vois, de faire en sorte que les événements se passent comme ils s'étaient passés, mais ça s'est pas passé exactement, mais ça colle. Et ben là, c'est 5 événements qui se passent différemment, mais qui sont tous canons et qui fonctionnent. Et à l'issue de ça, il faut savoir qu'à la base, la région de Daggerfall, c'est-à-dire l'enclume, hein, le désert d'Alikir et la Glenumbrie, si tu regardes ta carte, voilà, Havre-Tempête, Glenumbrie et désert d'Alikir, c'est tout Daggerfall, et même un peu en dessous. Et eh ben c'était 25 sous-régions, et après cette faille du dragon, il n'y avait que 5 grosses régions. 5 grosses régions contrôlées par les 5 factions. Tu vois, ça a unifié toutes les petites régions. D'accord. Tu vois, donc c'est un peu comme si les alliés et les nazis avaient gagné la guerre en même temps, et conquéri l'un l'autre en même temps, et qu'ils c'était canon, tu vois, et qu'on voyait les drapeaux un peu partout, et qu'après on a cette espèce de bug temporel qui fait trembler le monde parce que le dieu répare un peu la continuité temporelle, hein, il remet, comme dans Rick et Morty, tu vois, il y a 2 points, il essaie de le rassembler en un seul, voilà, tu vois, il y a 50 points, il essaie d'en faire un seul, voilà, et ben à l'issue de ça, et ben les États-Unis appartiennent aux États-Unis et l'Europe appartient aux nazis, tu vois ce que je veux dire, voilà, après cette faille. Et tout le monde se souvient à la fois de ce qui s'est passé et à la fois de quelle est la nouvelle continuité. Ah, tu comprends le... Non, je me suis fait attaquer. Non, je t'en prie. Mais tu comprends le twist, en fait, tu comprends le merdier que ça peut causer. Et en fait, voilà, c'était l'explication, en fait, qui est à la fois dans le lore et à la fois très intéressante en termes historiques, mais aussi qui justifie le fait que les 5 fins de Daggerfall, ou presque toutes les fins de Daggerfall, sauf celle qui amène la fin du monde avec Mannimarco, mais bon, toutes les fins de Daggerfall sont canon, en fait, quelle que soit la fin que tu choisisses. D'accord. Tu vois, et je trouve ça intéressant, j'ai toujours trouvé cette écriture très intéressante parce que ça justifie tous les choix possibles. C'est comme si toutes les fins de Mass Effect étaient valides en même temps, quoi, et que du coup tu fais une suite et qu'elles se soient toutes passées en même temps. Et c'est fait bizarre, mais comment tu fais pour justifier ça, quoi? Comment tu fais pour dire, bah c'est les orcs qui ont plus gagné que les bretons, qui ont plus gagné que les impériaux, qui ont plus gagné que ça, et ils ont trouvé cette invention. Et j'ai trouvé ça, cette histoire, très intéressante. Donc la brèche du dragon. Et c'est un moyen pour les développeurs de canoniser toutes les fins de Daggerfall, en fait. Et il faut savoir que cette brèche du dragon, et pour ta question, mon cher Krayn, cette brèche du dragon, elle n'est pas encore arrivée. Nous sommes en l'ère de années 400 ou 700, je sais plus, et des brouettes, et cette brèche du dragon n'aura lieu qu'en l'ère 3, 300 ou 900, je sais plus. Bref, dans un millier d'années environ, un peu moins. Donc voilà, dans un millier d'années, toute la région de Daggerfall, de Dagfilante, sera unifiée par un Gundam géant sur 5 fronts différents. Et en fait, le Gundam géant a le pouvoir justement de créer ces paradoxes temporels. Tu comprends à quel point il est puissant? Oui. Quand l'existence d'un objet est tellement puissante qu'elle est capable de créer des paradoxes et de forcer l'univers à se plier à ces paradoxes sans en choisir un seul, c'est que voilà, le Numidium, il déconne zéro. Merci, voilà. Ça déconne absolument zéro. Mais zéro. On passe en ère 3ème dans 300 ans, on est 800-900 ans avant Skyrim. Bon bah voilà. Voilà. Mais voilà, j'ai toujours trouvé ça super intéressant, ça me passionne, je trouve ça génial comme histoire. C'est un excellent twist, et surtout t'imagines le merdier que c'est, en termes de réalité. T'es à la fois conquéri et conquérant, pendant 2 jours. Voilà. Et d'ailleurs dans les livres qui est écrit, il faut savoir qu'il y a beaucoup de bêtes qui sont mortes et qui sont vivantes, puis qui sont mortes vivantes mais qui après se sont rendues compte qu'elles étaient quand même mortes, mais qu'on continue à vivre pendant 1 semaine. Bref, bref, ça a foutu la merde, quoi. C'est un peu comme une éclipse. Je peux pas... Quelqu'un s'en sert. Ah merde, il ouvre le bord. Moi je suis retourné en ville. Oui, on y va. C'est un peu comme une éclipse solaire quand les poules ne savent plus quoi penser, en fait. Et encore Izotti sur la route. Il est partout. Oui. Mais du coup, voilà. Voilà. Donc ça, c'était ma petite parlore. Je te remercie de m'avoir laissé. Ah bah, c'est toujours intéressant. On remet ta muselière. Oui, c'est ça. Mais voilà, c'est pour ça que quand, moi je m'étais toujours posé la question, mais c'est vrai que quand tu joues à Morrowind ou à Oblivion ou à Skyrim, tu tombes sur des livres qui s'appellent La Brèche du Dragon. Et tu te dis, tiens, ça doit être un livre qui parle d'une bataille, tu vois. D'une bataille ou alors d'un lieu ou alors d'un truc comme ça. Tu sais, tu t'y fais pas gaffe, tu te dis, c'est pas un livre qui est intéressant. Mais en fait, quand tu l'ouvres, tu te rends compte que merde, c'est un livre qui t'explique que les paradoxes temporels sont réels et qui fonctionnent. Et enfin, un dernier point de scénario, sauf si t'es en face du perso, et dans ce cas-là, les histoires sont pour le bateau. Boy. Non, c'est bon, il y a le temps. Bah, de toute façon, je t'attends pour le perso. Moi, je me balade avec ma monture, je vais faire des petits sauts, tout ça. Il y a juste un truc intéressant par rapport à l'univers. Je te l'avais expliqué la dernière fois, mais tu sais bien que nous vivons sur le cadavre donc d'un dieu mort, ou d'un dieu endormi, donc qui est Lorkhan, qui est devenu Mundus. Les lunes, Macer et Segunda, sont des fragments de Lorkhan qui se sont détachés de lui lorsqu'il a créé Mundus, donc la planète. Voilà, lorsqu'il a créé Nirn, tu vois. Donc c'est des morceaux de peau détachés, hein, basiquement. On vit dans le rêve d'un dieu, le Godhead, la tête divine, voilà, qui n'est pas consciente qu'elle rêve, mais qui rêve de nous. C'est pour ça que quand tu te rends compte que tu fais partie d'un rêve, si tu n'es pas capable et pas assez égocentrique pour garder ton individualité, tu te rends compte que tu fais partie d'un rêve, dans ce cas-là, voilà. Tu te souviens. Mais si t'es capable de garder ton individualité, tu passes en mode rêve éveillé et là t'as accès à la console de commande. Tu peux faire des trucs de fou comme arrêter des lunes, voler ou avoir une puissance phénoménale. C'est l'état du Shim, tu te souviens de ça? Oui. Il y a un truc qui s'appelle, alors en anglais ça s'appelle mantling, en français c'est le mantèlement. C'est un concept que j'aime énormément parce qu'en fait c'est le concept d'autoprophétie réalisatrice. En fait, comme tu es dans un rêve, il y a des détails qui peuvent être outrepassés et que tu peux littéralement hacker sans même atteindre le Shim. D'accord. C'est-à-dire fuir la forteresse. Attends, elle finit, dans la gueule d'un sauroïde, j'espère. Je finis juste ma phrase et on reprendra les histoires pour le bateau. Boy. Vas-y. Voilà. Basiquement, tu sais, Sheogorath, le Daedra, le Daedra de la folie. Très bien. Supposons, hein, qu'il meurt. Qu'il disparaisse entièrement, que son existence même soit éteinte. Pas effacée de l'histoire, mais qu'il disparaisse. Okay. Eh bien, s'il y a un être humain qui commence à marcher comme Sheogorath, à parler comme Sheogorath, voire à se prendre pour Sheogorath, il va développer les pouvoirs de Sheogorath, parce que le rêve va pas faire la différence entre quelque chose qui agit comme quelque chose et la chose en elle-même. Donc imaginons que quelqu'un soit fou. Si tu es suffisamment ours et que tu marches comme un ours et que tu penses comme un ours et que tu manges comme un ours, eh bien tu vas devenir un ours parce que le rêve va te regarder et va penser que t'es un ours. Parce que tu fais partie du rêve. Tu vois ce que je veux dire? Imaginons que c'est quelqu'un dans Elder Scrolls qui soit fou véritablement et qui se prenne pour Sheogorath mais qui n'est pas Sheogorath. D'un seul coup Sheogorath meurt. Est-ce que la personne folle qui se prend pour Sheogorath pourrait devenir Sheogorath? Et sans mourir, c'est ce qui s'est passé dans The Shivering Isle, le DLC d'Oblivion, où Sheogorath nomme un successeur. Et tu sais comment il fait Sheogorath? Il te fait passer par des épreuves qui rendent au fur et à mesure ton personnage fou, et qui le font atteindre le même état de folie illuminée que Sheogorath, ce qui fait qu'à la fin, le rêve ne te dissocie plus de Sheogorath, parce que tu es devenu tellement comme lui que tu es lui. Et Sheogorath, l'original, disparaît, et ton avatar devient le nouveau Sheogorath. D'accord. Parce que l'ancien Sheogorath, ben, il atteint un état de shim, mais il shim pas en fait. Il atteint un état de zéro somme. Il se rend compte qu'il est un rêve et voilà. Ok. Il atteint l'état suivant de la folie en fait. Tu vois ce que je veux dire? Pour lui. Oui. Voilà. Et pour lui c'est ça en fait. C'est pour ça que c'est une blague. Et tu comprends? Et donc tu deviens dans tous les purposes et concepts imaginaires Sheogorath. Tu vois, c'est dingue. C'est pour ça que dans Morrowind, l'histoire du Nerevarine, donc la réincarnation de Nerevar, est une... y a pas de... Quand tu nais à la naissance, ton héros dans Morrowind, tu n'es pas le Nerevarine. Tu n'es le Nerevarine que lorsque tu as accompli toutes les prophéties ou toutes les épreuves qui indiquent le retour du Nerevarine. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas juste... attends, selon la prophétie, il n'y a que Thor qui peut soulever le marteau de Thor. Et toi, t'essayes, et t'y arrives pas, et on te regarde et fait, ah, bah t'es pas Thor. Mais si t'y arrives, on est là, oh, tu es Thor. Et en fait, non. C'est pas parce que tu es Thor que t'y arrives, c'est parce que t'y es arrivé que t'es Thor. Et si t'y es arrivé, l'univers te regarde et a fait « Ah ouais, pardon, c'est Thor !» Et là, tu peux balancer de la foudre et tu voles. Tu comprends? C'est le mentalement. Je sais pas ce qu'en pensent les gens du chat, mais actuellement, là, j'ai un écran où t'as les 3 PNJ à qui on doit parler, qui nous regardent, je pense qu'ils nous jugent. Ils disent, ça fait 20 minutes qu'on vous attend. Ah, on me dit... Ah, une seconde, On me dit incorrect, Sheogorath devient lui-même, il devient Gigalath, le prince Daedra de l'ordre. Ah merde, moi j'ai cru qu'ils aient ressemé. Bon bah c'est pas grave, dans tous les cas... Je savais pas que Sheogorath c'était... Mais le fait qu'il change de personnalité et qu'il redevienne lui-même et que toi tu deviennes Sheogorath pour toutes les buts et machin, le fait que tu puisses remplacer un prince Daedra, tu vois, alors qu'un prince Daedra c'est unique, ça prouve que le mentalement existe et que c'est un vrai événement, comme le Nerevarine. Donc c'est dingue, tu vois, littéralement, c'est comme le perso comment ça s'appelle, dans Les Survivants. Si tu te prends assez pour Batman, et ben dans Morrowind, dans The Elder Scrolls, l'univers... C'est les deux ouf là. Ah bah attends, l'univers te prend pour Batman. L'univers pense que t'es Batman si t'arrives à y croire assez fort toi-même. C'est ça qui est génial. Et c'est aussi un état du shim. Le shim, c'est quand t'es éveillé que tu te dis « Ah oui, au fait, l'univers !»« Quoi ? Je suis un dieu !»« Ah ouais, pardon, excuse-moi, tiens, voilà les pouvoirs. » Merci. Là, c'est ça en fait, c'est complètement pénible. Yep. Du coup voilà, Prévote Varouni Arvel, pardon pour le lore, on avance. Hop. Enfin, je tourne en rond depuis votre départ. Une machine ne peut rester inactive guère longtemps. Luciana vous a trouvé? Avez-vous trouvé ce Ragnaton de Gascogne? Désastre. Je l'ai tué, il avait vendu la cité, il avait vendu la cité au vilain Clavicus. Gascogne est mort? Eh bien... Il ne nous a pas laissé le choix, n'est-ce pas? Si. Bon débarras, j'imagine. Parfaitement. Je vais envoyer des automates de récupération pour rapporter sa dépouille. Mais... Vous m'avez parlé du vil Clavicus? Gascogne a promis une clé à vil Clavicus, mais des corbeaux la lui ont volé... Oula, attends. La lui ont volé, exactement. Avant qu'il ait pu la livrer. Ouais, parce que je suis un peu... La cité mécanique a une immense dette envers vous. T'es un lézard. La mort de Gascogne est nécessaire pour protéger le peuple. Maintenant, il ne reste qu'à suivre les indices qu'il a laissés. Prenez ceci, je vous en prie, et mes remerciements. La cuirasse du traître, moi j'ai gagné. De toute évidence, nous devons récupérer cette clé mystérieuse. J'ignore où elle est et ce qu'elle fait, mais si des princes d'Edric sont prêts à se lancer dans une invasion pour elle, elle ne doit absolument pas nous échapper. Par où devrions-nous commencer? Gascogne soutient que les corbeaux parlants lui ont volé la clé, c'est bien cela? Nous devrions commencer par là. D'après le guet, ces oiseaux ont commencé à voler des objets dès leur arrivée. Je n'ai jamais vu de corbeau. C'est un comportement inhabituel? Ah bah, le fait qu'ils volent les objets, non, mais le fait qu'ils parlent, oui. Eh bien, le fait qu'ils soient arrivés si tôt après que vous ayez révélé l'ombre est étrange. Mais il semble assez inoffensif, bien qu'agaçant. Demandez dans le chancel des transactions. L'un de nos miliciens pourra peut-être vous en dire davantage. Bon bah d'accord, on verra ce qu'on trouve. Les sermons ne nous ont jamais préparés à ça. Peut-être que le Seigneur Seth écrira un addendum sur la conduite à tenir en cas de corbeau bavard et de monstre d'Edric quand tout sera terminé. Ça se dit pas addendum? Addendum, ça me paraît bien. J'ai toujours dit addendum, même si ça s'écrit addendum. Bêtement, bon c'est pas grave. J'arrive pas à le prononcer. On lui parle plus, on peut dire au revoir directement. Ouais, on se casse. On se casse. Regardons par contre l'armure qu'on a gagnée, parce que... Ne serait-ce que c'est armure lourde, donc ça peut être intéressant pour toi. Cuirasse du traître. Eh, avec la bonne peinture, ça peut en jeter, hein. Regarde ça. Non, c'est pas mal. Regarde ça, regarde ça. Le tissu par-dessus est un peu... Ah non, ça va. Ah, moi j'aime bien la tauge, hein. Ah, il faut que ça charge, parce que ça fait du tissu tout... Il faut la bonne couleur, mais du coup voilà. Et j'ai gagné, mal, je sais pas quand j'ai gagné ça, mais ah non c'est la mienne, je suis con, c'est ma cuirasse, bah oui, je suis complètement con. Ouais, c'est vrai qu'il faudrait que je porte, il y a quelqu'un qui dit porte une armure, une cuirasse lourde, une ceinture légère, un casque ou épaulière en moyen, le reste de l'armure que tu souhaites, ça te permettra de tout améliorer le plus vite possible et de profiter d'un max de bonus, c'est vrai. C'est vrai. Ah, c'est vrai que parce que tu sais, on monte selon l'arme qu'on a d'équipée, selon l'armure qu'on a d'équipée, et en ayant un morceau de plusieurs types, bah, ça permet de... De tout leveler à la même vitesse ou pas du tout? Oui, pas du tout. Par contre, maintenant, depuis je sais plus quelle mise à jour, il faut 3 éléments d'armure du même type pour débloquer la compétence d'armure liée. Quoi. Donc si vous voulez débloquer l'armure moyenne, il faut au moins 3 pièces d'armure moyenne. Bien sûr. D'accord, tu peux plus juste level upper en portant genre un bout de ceinture en tissu et puis... Suffit d'aller voir dans armure, et quand tu dis débloquer, parce que genre j'ai 17 armures lourdes, 9 armures moyennes et 10 armures légères, ça veut dire que j'ai... Ah mais en fait non, c'est que tu as déjà, parce qu'en fait quand tu commences un perso, t'as pas les skills d'armure de base. D'accord. En fait, il faut porter l'armure pour avoir accès aux compétences d'armure. Okay. On s'en fout des compétences d'armure, c'est selon ta classe. Moi je suis Templar, je prends que du lourd, si. Bah ça après, dépend. Ça peut être intéressant, oui. Tu peux avoir des pièces, tu peux mixer des sets parce que tu vas avoir un bonus de set qui est plus intéressant, etc. Ça peut. Voilà. Là j'ai quoi d'équiper? J'ai. Pourquoi tu me conseilles? Vachement belle cette arme. Moi j'en laisse. Alors je profite, je regarde les designs. Armure lourde, armure légère, armure moyenne. Donc ça y est, j'ai déjà des pièces de plusieurs types, donc pas besoin. Bon, okay. Est-ce que je m'équipe de la nouvelle armure qu'on m'a filée moi, au passage, si on me permet? Alors voyons voir. On m'a donné une nouvelle armure. Armure pétée. Ouais, l'armure complètement pétée. 160 de dégâts des armes et augmente la vigueur. Je prends. Tac. Ensuite, cuirasse de la rage de Hunding. On va la mettre. Augmente de masse la santé maximale. Grave de défense. Bam! Oh la classe! Gaine de la mer de la nuit. Grosse armure. Gantelet. Grosse armure. Les jambières. Grosse armure. Les bottes. Et les épaules. Grosse armure. Le casque. Grosse armure et les épaules. Et on le voit pas le casque. Attends, j'arrive. Parce qu'il a enlevé. Palière. Voilà. Ah, et attends, pas mal, et, pas mal. Et attends une seconde, collection, le casque. Style. Boum. Oh, c'est sympa. Ouais, c'est pas mal. Ah, c'est pas la bonne couleur, mais j'avoue. Enfin, la couleur, ça se modifie, tu vois, c'est pas la couleur, on peut la changer. Mais ouais, exactement, mais j'ai envie de dire, ça rend pas mal. T'as beaucoup d'argent sur tes bottes et sur tes gants. Mais il n'y en a pas sur le reste de l'armure. Ouais, mais c'est parce que c'est un style très différent. Je veux dire, les pieds et les mains sont du domaine d'Almérie, sont de l'armure Almérie. Les jambières, c'est apôtre. L'armure, c'est culte du verre. Ah merde, c'est une armure à Mannimarco, ok, très bien. La ceinture de hors-la-loi. Les épaulières Yaolu, c'est mon clan préféré, j'avoue, de Morrowind. Et la tête de Ombreben, qui rend très très bien. Il faudrait que tu passes par la case de teinture. Ouais. Les anneaux aussi, je vais mettre les anneaux. Attends. Anneaux d'endurance. C'est gentil, The Clomès. Salut Anakashima. Et bonsoir à tous ceux à qui je les appelle salut, parce que j'en ai vu à certains moments. Putain, ça me donne masse de santé maximale aussi. Oh la vache, je merci infiniment Izotti pour cette armure parce qu'elle est d'une qualité incroyable. Ah, l'arme, j'oublie l'arme, je suis con moi aussi. Hop là. Oh sympa, sympa. On peut changer la couleur des armes ou oui. Ah bien. Je pense que la couleur de la lame me plaît pas, mais sinon. Oh, elle est sublime, elle est magnifique, Et enchantement de feu, super. Putain, j'ai tout gagné. Alors attends, une seconde, je vais cacher le casque. Voilà, impeccable. Bon bah très bien, allons-y alors. Enfin, je suis sorti. Très bien. Je suis. Est-ce qu'il y a un teinturier dans la zone ou Ah oui, il y en a, il faut juste sortir. Il faut aller dans la ville. Mais oui, il y en a, bien sûr. Dans la ville, tu veux dire là où on est? Voilà. Oui. Non, parce que là, on est encore dedans. Technique raffinée, c'est ça? Alors attends. Non, c'est pas ça. Station de transmutation, c'est pas ça. Non, ça c'est pour changer l'apparence. Non, ça c'est la seule. Là. Si vous faites M, je vous l'ai mis sur la map. Oui, non, je suis dessus en fait. C'est quoi? C'est l'atelier de tenue? C'est ça? Control-click, ouais. Control-click, ok. Merci, ok, j'y vois. Bon, j'en profite pour reprendre mes excuses, hein, c'est important. Vas-y, vas-y. C'est important d'avoir le style. Le qui est trop bien évidemment. Le kikou te rend plus fort. Elle est blanche. C'est dans la maison. Salut Ragnazam, salut Tiag. Il faut pénétrer dedans. Ouais, il doit falloir rentrer, ouais. Alors, salle des techniques raffinés. Moi j'aime bien les villes qui centralisent un peu ça. C'est un petit établi, normalement il y a des espèces de pots de peinture ou de peinture. Ah ouais, mais là ça va être mécanique avant. Je finirai l'exploration moi-même. Ça non, Pas l'air. Vous ne voyez pas que je suis occupé. Atelier de transmutation, comment ça marche? Il faut des cristaux de transmutation, ça coûte 50 cristaux et en fait si tu connais le trait pour l'armure ou l'arme voulue, tu peux... Ah, tu peux changer le trait, ok, je comprends. Voilà. Je comprends. Et je vais en profiter pour détruire ce que j'ai, moi, à la forge. Tu sais, tu démontes les objets. Maçon d'orichal, par exemple, ça saute. Hache de bataille en orichal. Je vais pas détruire ce qu'on m'a donné. Cuirasse en orichal que magique. Ça, je le démonte. Gantier en orichal, je le démonte. Pas le détruire. Voilà. Ça, on garde. Mais il y a Nocturne Mortis qui te propose de te faire des meubles et du lit. Et il veut voir ton style. Oh là 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 là. Bah attends. T'as trouvé du coup le... Je cherche. Je le vois pas. Je trouve les tables de travail du bois, je trouve les forges. Je trouve pas le rouet cependant. Non, si on peut aller chez moi, j'en ai un. Non mais on va pas se taper 800 mètres. Il faut... Attends, on va prendre le bateau pendant 8 semaines. Non mais il y a un ascenseur, il y a un ascenseur. Ah oui, il faut prendre l'ascenseur peut-être. L'ascenseur. Hop. Allez, bien vu. En effet, ça doit être ça. Et ça se prononce orichalque. Ah, c'est ça. Ça se prononce orichalque. Oui, mais j'ai toujours dit orichalque. Atelier de couture. Comme ça, vous pouvez voir ma tenue absolument fabuleuse. Non, c'est ici, Bob. Pour... Mais non, mais je défais mes robes en coton. Ah, okay. Déverrouiller une nouvelle tenue. Oui, dire, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne? Teinte de déguisement et chapeau, grâce au déguisement et chapeau, je sais pas comment ça marche. Pour les teintures. Ouais, et style d'armure, style d'arme, moi je sais pas ça marche pas. Alors en fait ça il faut connaître des styles de race et c'est pour... faut que tu actives en fait en haut à gauche normalement, il y a écrit aucune tenue, faut mettre tenue 1. Okay. À choisir la tenue et après tu peux transformer ta tenue en fait par rapport au style de race que tu connais déjà. Donc, si, par exemple... peux transformer ton casque en un autre et voilà. Ça coûte juste du fric? C'est ça. Oh la vache! Mais c'est divin! Mais genre même un truc lourd, tu peux le transformer en léger? Voilà, et même tu peux transformer une hache en épée ou un truc comme ça. Oui, parce que c'est basiquement les mêmes. Voilà. C'est divin! Très très beau. Très 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 beau. Mais c'est divin! Pardon, excusez-moi. Oh là là! Merci beaucoup à JC1, ah, c'est qui sera bonne pour la 5e fois, des bisous. Merci. Oh là 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 là! Ah. Je pense que je suis à... Donne ma glace! Putain. Bon, on va pas insulter la personne qui m'a offert ça. En changeant le style de tout le reste, on va juste changer la couleur. La couleur. Alors, je veux du rouge, mais je veux aussi de l'argenté. Ça fait quoi ça? Ça m'a l'air pas mal. Ça fait 2000 years later. On promet la semaine prochaine, il n'y aura pas de passage comme ça. Enfin, dans deux semaines, je veux dire. Mes excuses, braves gens, mes excuses. Ou plutôt, je ne ressens aucun remords, hein, je tiens à le dire. Voilà. Juste au cas où c'était pas clair. Ouais, non, c'est très sincère. Écoute, moi ça me va, j'aime bien. Ça porte un message. Attends, ça le métallise à donf. Ouais, c'est trop clair après. C'est trop clair, faut oser le porter. Voilà, faut oser le bourbier mécanique. Et ça coûte 200 balles. Bon, ça coûte vachement plus cher apparemment de changer une arme que de changer une armure. Voilà, ces épaulières sont un peu moins grasses, je trouve un peu plus discret. Là, on est bien. C'est bon, je suis prêt. Je suis prêt, mais excuse. J'ai mis mon... Oh non, c'est dégueulasse. Ah, mes semelles de chaussures sont rouges. Ah, c'est inacceptable. Bon, on y va. Tant pis pour la faute de style. On se casse. Par où il faut partir? Je trouve plus l'ascenseur. Là, au secours. Non, au secours. Au secours, je voulais pas, madame la juge. Je vous jure, je savais pas cet homme c'était Jawad. C'est bon, c'est bon. Ah, mais j'ai les semelles, quoi. J'ai les Nike rouge fluo. Ah oui. Ah, j'en ai plus rien à foutre. Non, la semelle elle est rouge. C'est des low boots. C'est pour aller en boîte de nuit. Mais attends, sans déconner, regarde, à la lumière ça rend plutôt pas mal. C'est pas dégueulasse, si. Non, ça va. Non, ça va. Pas encore donné, ça va. Ouais, je sais que c'est très coloré, chevalier de Zodiac, mais bon, on est dans un MMORPG. On est dans un MMORPG, me cassez pas les couilles. Lui, par contre, il est pur stylé. Un casque breton, belle armure. Je sais pas, on peut y aller par là ou pas? Je pense que oui. Enfin, du coup, allons-y. Entendez parler des mystérieux corbeaux. Où est-ce que c'est? Ça a pas l'air d'être de l'eau. Allez, sortez d'ici. Nous allons où nous voulons sans elle. Du vent. Oh, le corbeau qui parle. On nous a pas menti. Alors, comment on fait pour stepper? Clic droit, Bob. Clic droit, voyager. Rapide, jusqu'à un joueur. Ok. Pas réussi à toucher les corbeaux. Du coup, on attend Krayn? On attend Krayn. Oui. D'ailleurs, Krayn, encore une fois, qui prend son temps, hein, qui nous parle de son lore, qui peint ses vêtements, qui nous fait perdre un temps, mais inestimable. On se fait t'insulter, s'il te plaît. Bien évidemment, j'ai... Très bien. Ok, alors attends, c'est ouf. C'est là-bas. Impeccable. Quelqu'un dit Bob, c'est dégueulasse, utilise du noir et du blanc. Merci beaucoup Kiral, des bisous et bim. Écoute, moi j'aime bien ma petite couleur rouge, c'est mon truc, j'ai le droit. De toute façon, on n'a pas accès à... Le problème, c'est que tant que t'as pas débloqué le jeu, ou que t'as pas fini le jeu, ou que t'as pas fait plein d'achievements, ça, t'as pas accès à tant de couleurs que ça en fait. Hein. Ouais, voilà, c'est les succès qui débloquent les teintures. C'est ça, hein, donc du coup, assez baisé. Hein. Moi j'ai pas de couleur en or, hein, sinon je me serais saucé là, tu vois, j'aurais fait des belles dorures. Ou alors j'aurais fait des trucs en argent, j'aurais donné plusieurs teintes de métal, tu vois, j'aurais fait... On y va? J'aurais fait ça bien. Allons-y. Vous venez bailler au corbeau? Prenez bien garde, l'ami. C'est pas bailler au corneille. Là a failli emporter l'oreille d'une apôtre. C'est une quête avec des corbeaux. Elle devait de toute façon la remplacer, mais quand même, ça a dû lui faire mal. On doit demander quelque chose. Ah non, mais tu vas me faire tous les dialogues, tout ça. Tu veux pas qu'on stream ensemble, Bob? Ça serait bien. Laisse-moi faire des dialogues ou je sais pas. Excuse-moi. Je sais rien. Je dois demander quelque chose au corbeau. Vas-y, vas-y. Tellement bien fait. On peut pas le tourner. Ah. Savez-vous, je pourrais trouver d'autres corbeaux? Un peu partout, bien sûr. Les plus bruyants se rassemblent autour d'un arbre, juste devant la basilique. J'imagine que cela vous intéressera. Mais bon, écoutez-moi. Ils vous demanderont un tribut ridicule, c'est certain. Ne faites rien d'idiot, d'accord? Compris, merci. J'ai pitié du factotum qui doit nettoyer sa sainte image là-haut. Je n'ai jamais vu autant de fientes au même endroit. Vous avez déjà vu un phénomène similaire? Aux chiottes, ouais. Quoi? Comme les oiseaux? Non. Nous avons bien eu une infestation de Ragnar un jour. Quelqu'un avait laissé le fabricateur en mode automatique et il les a crachés par milliers. Les apôtres ont déployé des chats mécaniques pour les arrêter, mais après, nous avions trop de chats. Alors, quelqu'un a lâché des chiens mécaniques? C'est complètement con, les chiens ça mange pas les chats, si? Exactement. Quand Sotha Sil a fini par en entendre parler, la forteresse était pleine d'ours et de tigres mécaniques. Imaginez la scène. Le dieu mécanique les a tous détruits, sauf les ragnatons. J'aime à penser qu'il a le sens de parler au corbeau. J'avoue, Sotha Sil, il a le sens de l'humour. Alors... Il est tout le monde sauf les rats. Voilà. J'aime bien ma petite monture, elle est mignonne. T'as laquelle? Ah, le goir. Je sais pas, un gare. Un... Goir, c'est quoi? Gare ou goir? Un goir. Attends, j'ai pas suivi les bonnes personnes. Oui, d'ici là. Sur ta droite. Ouais. Et après, on va à gauche. Impeccable. Navré, hein. J'ai pris mon temps de style, mais ça valait la peine, je suis content. Un intrus! Halte! Parlez ou nous donnerons du bec! Parlons-lui. Clic. Espion! Arrière! Espion! Cet arbre est la propriété de la cour de Noirplume. Le duc l'a revendiqué par droit de perchoir souverain. Allez chercher ailleurs vos trésors brillants. Je vais faire désastre. Oust! Ouais. Je ne suis pas un espion. Je veux juste vous parler. Un espion! Pas vous parler! Je reconnais les espions quand je les vois. Les exarques de Dross partagent peut-être leur viande avec des géants sans plumes, mais pas la cour de Noirplume. En temps de guerre, seuls les espions approchent sans tribut. Tous les oiseaux le savent. Et si je vais chercher un tribut pour la cour? Un tribut? Oui, du métal qui brille pour le duc. Nous exigeons le trésor de notre ennemi. L'homme de métal qui nous crie dessus, le connétable Drados. Que sa queue pende et que ses ailes flétrissent. Prenez-lui son trésor argenté et nous parlerons. Allez! Où puis-je trouver ce trésor? Il cache peut-être un trésor sous ses vêtements cliquetants. Ou il le cache dans le nid de pierre appelé cloître. À vous de le découvrir, sans plume. Parfait! Au revoir. Eh ben, surprenamment, c'est la représentation la plus fidèle d'un animal qui pourrait parler, en fait. Bon, là, oui, un truc au... Pardon, je t'en prie. On a deux solutions, parler à Drados ou voler la babiole de Drados. On peut voler la babiole de Drados. Si tu veux. On gagnerait sans doute un temps fou. Je veux dire, globalement, en fait, il y a deux possibilités. Soit le mec, il nous donne pas sa babiole et il nous envoie faire un boulot à la con dont on en a rien à péter pour récupérer une babiole. Soit on va se servir directement et on esquive la phase de blabla pour faire une phase de gameplay. Ça me paraît... Ça me paraît bien, oui. Bon, après, je sais pas si on a vraiment besoin de cacher. Merci beaucoup à Bobinator qui sera bonne pour la 25e fois. Merci. Et bim. Non. Alors, sans doute à l'étage. De l'autre côté. Non, non, de l'autre côté. Et du coup, on est caché. Ça, c'est qui ça? Matin Saen. Ça a pas l'air de les déranger, je me promène. Ah, mais c'est quand tu vas voler en fait qu'il faut être caché. D'accord. Vous êtes désormais peu recommandé. Ouais, parce qu'il t'a vu. Ouais, c'est pas grave. J'ai! Au revoir, monsieur! T'attaques là. On se retrouve. Détail ça! Détail de l'histoire ça! Et moi j'arrive pas. Non, je suis. Attends. Je suis caché. Quand c'est marqué caché, c'est que c'est bon, désastre ou pas? Normalement. Mais il y a un petit œil un peu ouvert légèrement. Ouais, c'est pas bon. Parce qu'il est en face en fait quand tu vas. Ouais. Faut essayer. C'est le premier. Ah, attends. Je me casse avant que les gardes me repèrent. Putain, il m'a détecté, faut vite le prendre. Quitte à être dans la merde, autant que ce soit pour une bonne raison. Je continue à piller tout ce que je vois. Vas-y, prends-le tant que tant qu'il me tape dessus. Vous êtes désormais peu recommandable, mince. Ah. Bon bah j'ai essayé, mais... Mais du coup, je l'ai volé ou je l'ai pas volé? Bah, mais non, je l'ai pas volé. Tu l'as pas pris? Ah. Bon, du coup, on va y être maintenant, hein. Prendre. Il veut pas le prendre. Comment je fais? Faut mâcher. Comment ça il veut pas? Je sais pas, ça s'ouvre. Attends, vas-y, on va le tuer lui, tant pis. T'as pas ton inventaire plein par hasard? Ah, attends, c'est possible ça. Bah ça mettrait un message, non, si j'avais l'inventaire plein. Oui, en haut à droite, ça te le met. Non, 69 sur 80. Alors, pourquoi? Discrétieux, discrétieux. C'est peut-être parce que t'es en combat, je sais pas, c'est bizarre. Attends, je vais le tuer. Hop. Ah non, c'est bon. C'est juste que ma touche R ne fonctionnait pas. Il fallait que je clique manuellement dessus. D'accord. Ok. Bon, du coup, j'ai tué un PNJ, j'ai 1000 PO de prime sur ma tête. Ouais, vous faites gaffe en remontant, il y a un garde apôtre. Hein. Alors moi, il m'a pas vu parce que j'ai eu la présence d'esprit de m'accroupir, mais il aurait pu me demander de l'argent, ça me dérange. Hop, bah après, on va bien croiser un d'ici. Hein. C'est un peu avec un peu de cabillaud salé en attendant. Mec, il est dans les buissons, il mange son cabillaud, il attend ses potes. Alors... J'utilise la technique de PUBG, hein, je suis planqué dans les buissons. Il faut aller parler au valet là-bas. On va voir si on va se faire choper. Jitsu. Du coup, on peut se faire arrêter par les gardes ou pas là en étant peu recommandable? Ouais, il y en a un sur la route, tu feras attention. Ils vont me demander de payer en fait. Ouais, et puis prends tous les objets que t'as volés, c'est relou. Moi je crois que là, comme j'ai tué quelqu'un, ils vont m'attaquer à vue, je crois. Mais... Ouais, là. Non, ils vont te poser la question d'abord, je pense. Tu as poussé le bouchon un peu trop loin. Ouais. Il a poussé le bouchon dans Maurice en fait. Oh là là. Ok. Ici tout va bien, tout va bien. C'est où? Ah, les forces de l'ordre ne nous attaqueront plus. Ah, c'est mieux ça. Ah, c'est bon, t'as tué quelqu'un et déjà. Attention, il est là le garde. Hein. Ouais, il y a un petit temps. C'est le bon endroit quoi. Mais visiblement, il pardonne très vite. Ah, c'est pas grave, ça peut arriver à tout le monde. Bon, voilà. Le temps de respawn. Le temps de respawn des gens. On peut parler aux pigeons? Allons-y. Vas-y. Alors, avez-vous nos brillants? Parlez. Vas-y, Bob. Merci. J'ai volé cette boucle de ceinture dans le coffre du connétable. Quelle brillance! C'est un grand butin! Brille sur notre ennemi! Vous êtes peut-être digne d'être l'ami des corbeaux, après tout. Posez vos questions. J'écoute. Est-ce que vous voyez les couleurs? Qu'est-ce que vous mangez pour survivre dans cette zone? De quel plan venez-vous? Pourquoi parlez-vous? Quel est votre esprit de ruche? Comment fonctionne l'ordre sociétal des corbeaux? Quel poids pesez-vous? C'est pour des raisons scientifiques. Êtes-vous mâle ou femelle? Et enfin, est-ce que l'un d'entre vous a volé une clé dans le basilic mécanique? Une clé? Oui, le grand trésor. Le crève-verrou brillant. Ah putain. Notre héroïque chevalier de la moelle a franchi les portes et dérobé le trésor aux maladroits apôtres et à nos ennemis les exarques. Les sans-plumes se chamaillent sur son emplacement, mais ils ne la trouveront jamais. Jamais. Si vous me disiez pas où elle se trouverait éventuellement pas, dans quel emplacement je ne devrais pas chercher? Non. Seul notre duc des corbeaux le sait. Ah merde. Vous ne pouvez pas lui parler, ami des corbeaux. Pas sans escorte. Trouvez le chevalier de la moelle. C'est notre plus grand champion, fort et vif. Présentez-lui un tribut brillant et un tribut savoureux, et il pourrait vous aider. C'est un chien, le chevalier de la moelle? Et il se trouve où, ce con? Près d'une grande chute d'eau, au sud et à l'est. À roucouler comme une colombe, très certainement. Il construit pour sa belle un nid glorieux, mais c'est un imbécile, car elle est volage. Allez lui parler. Il a besoin d'aventure. Ah bah putain, il y a toutes les questions que je voulais poser moi derrière. Écoute, comment avez-vous appris à parler? Je suis désolé, la curiosité me tue. Et vous, comment avez-vous appris? Nous autres corbeaux sommes sages et intelligents. Nous enfilons nos mots en phrases tout comme vous. Mais mieux, parce que nous sommes plus intelligents. C'est raisonnable. Et pourquoi vous tenez à la clé? Si vous le voyez, vous le saurez. Aucun argent ne luit ni ne brille comme le trésor. Forcément. Les exarques et la femme d'ombre le veulent. Mais il est à nous, à présent. À nous! Le chevalier de la moelle l'a pris pour la cour. Demandez-lui. Bon, et après, dialogue optionnel, vous pouvez quitter si ça vous intéresse pas. Mais qui sont les exarques? Des corbeaux ennemis. Les exarques de Dross. Ils servent les femmes d'ombre et essaient de voler le grand trésor. Mais la cour de Noirplume n'appartient à personne. Notre duc taillera leur reine des pailles en pièces, et nous nous répéterons de ses entrailles. Les femmes d'ombre, c'est des corbeaux qui sont pas nocturnes? Les passereaux! Ces peaux pâles sans plumes qui geignent à longueur de journée et nous insultent. Et leurs autres serviteurs aussi, les adeptes en robe noire, qu'ils mangent de la viande aigre et en meurent. Bah putain, il est vénère ce corbeau hein. Là on est au milieu d'un conflit entre corbeaux. Entre clans de corbeaux, c'est intéressant parce que c'est un gang de corbeaux là qui n'appartient pas à Nocturne. Et ça c'est surprenant. Je savais même, oui, d'ailleurs, est-ce que les Khajiits, tu disais tous les chats sont des Khajiits. Mais est-ce qu'il y a une autre espèce, par exemple ça pourrait être tous les Argoniens, tous les lézards sont des Argoniens? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui ressemble aux Khajiits sur le fonctionnement ou pas du tout? Absolument pas. Pour une raison extrêmement simple, c'est parce que les Khajiits sont une création purement, comment ça s'appelle, synthétique. Ils ne sont pas le produit d'une évolution. Ce sont un rajout pur et simple de Azura. D'accord, ok. Donc c'est la création d'une divinité. Exactement comme les elfes noirs sont dus à la malédiction d'Azura et ne sont pas une race ou une sous-espèce, tu vois ce que je veux dire, une sous-race. Je dis pas sous-race méchant, je dis sous-race scientifiquement, tu vois ce que je veux dire, comme les sous-races de chiens, tout ça. C'est une sous-race d'elfes qui n'est pas due à une évolution génétique ou même à une évolution auto-générée ou générée par l'environnement. Ah non, littéral... J'avais oublié. Je me fais arrêter, ça, il me parle pas à moi. Quoi? Je me suis fait arrêter pour la prime, j'avais oublié moi déjà. Con. Mémoire de poisson rouge. J'ai fait super attention pour y aller à l'aller, au retour j'ai oublié déjà, hein, c'est fini. Hein. Tant pis. J'étais captivé par l'explication de Bob pour ça. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, les Arconiens sont issus sont issus de la race de base, de la race qui a donné tous les mœurs, hein, les elfes, entre guillemets, c'est une sous-race d'elfes. Ils ont évolué à cause du East, mais de ce que je m'en souviens, je peux dire des conneries je pense, mais je pense que c'est juste. Mais une chose est... Ah, la police. Toi aussi. Non, attends, il me dit plus un pas, mais il m'a pas mis d'écran. Donc en fait, il est revenu à son point de spawn. Je l'ai aggro, mais il m'a pas posé la question. Ça va, tout va bien, tout va bien. Je suis clean. Il était là, c'était pas mon district. C'est pas mon district, je peux pas vous arrêter, monsieur. J'adore le dialogue quand t'arrives à côté des chevaliers de Moelle. Et donc disais-je, voilà, voilà. Donc les Khajiits, non, tous les Khajiits sont des Khajiits, tous les félins sont des Khajiits, pas d'exception. Venez-vous défier le chevalier de Moelle? En garde, sans plume. Merde, il insulte. Attends, t'as cliqué déjà? Non, t'as pas cliqué. Si vous êtes un ennemi, jetez donc votre maudit gantelet. Mais soyez avertis, touchez ce magnifique trésor à vos propres périls. Je l'ai rassemblé pour mamie, et je préférerais mourir plutôt que de vous laisser le prendre. Alors, sans plume. Vas-y, Krayn, parle-lui, moi je suis pas sûr que je pourrais pas l'insulter. Vous volez votre trésor, je veux une audience avec le duc des corbeaux. Le duc tient sa cour au château Noir Plume. Je pourrais vous obtenir un entretien, mais regardez, j'ai le cœur trop lourd pour voler. Dame Chancrel se refuse à moi. Mes exploits héroïques et mes présents scintillant la lasse. Mon histoire est tragique. Tragique, vous dis-je. C'est drama. Je vous aiderai à conquérir votre aimé si vous acceptez de me conduire au duc. Vraiment? Mais comment? Grosse promesse. Hein. Oui, parce que je vois pas comment je peux. Hein. De délices, mais elle m'a ri au bec. Un autre cadeau peut-être. Vous autres sans plumes courtisez parfois en chansons, en rimes, n'est-ce pas? Apprenez-moi. Oh merde, faut lui apprendre des poèmes. Attends, on peut pas aller revoir plutôt les mecs cyborgs et leur demander une extension pénienne, quelque chose. À quoi ça ressemble seulement le bénis d'un corbeau? On veut pas savoir. On vous voulez que je vous aide à écrire un poème d'amour? Oui. Un poème, un bijou semblable à nul autre. Les balours sans ailes qui vivent dans la forteresse d'Airain ont caché un trésor de mots sans pareil dans leur maison de pierre. Si vous m'aidez à cueillir les vers les plus tendres, je vous mènerai au duc. Très bien, je vais vous aider à écrire ce poème. Suivez-moi! Le thésaurus est par là, par là. Attends, suivez-moi, non. Il s'envole. On vole pas. Putain. Bon. On se souviendra que les corbeaux sont très intelligents. Allons-y. Sympa sa façon de parler, tout ça. Ah, c'est un régal, hein. Moi je m'attendais pas à un corbeau, je m'attendais à un chien ou à une autre race, tu vois. Le chevalier de moelle. Mais en fait, non. Mais bon sang de bonsoir quand même. Attends, facto tu penses à la BD de Cap et de Croc. Si vous connaissez. Okay, j'ai de nombreuses fonctions pour vous aider à commercer. Nous y voici, c'est la porte du thésaurus. J'attendrai votre retour perché ici. Putain, il est sympa ce corbac, hein. Alors, choisissez un poème, demandez conseil en poésie. On parle tous, ils vont nous parler pour de vrai ou pas? Vas-y, dis-moi. Archiviste mécanique, voyons voir, robot. J'obéis à la parole de Seth. Bienvenue à l'archivox, résident. Je cherche un poème d'amour, quelque chose qui n'aurait pas trop de cul, qui serait quand même un petit peu olé olé, qui évoquerait des sentiments, qui parlerait de la pleine lune, et si possible de nourriture dégueulasse et de cadavres rutilants et pestiférés pour des corbacs. Enfin, c'est spécifique, mais voilà, vous avez ça? Un instant. Introuvable. Merde. C'est trop spécifique, Bob. Trop spécifique. N'apparaît pas dans notre schéma organisationnel. Je regrette de ne pas avoir été à même de vous aider aujourd'hui. Veuillez signaler cette défaillance à l'archiviste résident. Et vous pouvez rien faire de plus? Rêve, fleur abandonnée, cylindre vide. Merci de votre patience. Cette unité a généré une composition originale sur la base de votre magnifique poème. Poème d'amour. Veuillez récupérer votre formulaire à la bobine 17. Vous venez d'écrire un poème, là? Poème. Agrégat de formulations et métaphores thématiquement pertinentes, arrangées en séquence trophale, comprenant titre et ponctuation idoine. C'est bien ça. Oui, cette unité a composé un poème. J'espère qu'il vous donnera satisfaction. Puisse Seth bénir vos travaux. Putain, c'est vraiment ça des waifus robotiques, hein. Quand on est habitué à, je sais pas, par exemple à Conan ou autre, se faire bénir par 7, ça fait toujours bizarre. Oui, c'est vrai que c'est étrange, mais il faut s'y faire. Le truc, et d'ailleurs, tu sais que Vivec, son vrai nom, c'est Vec. V-E-H-K ou K-H, je sais plus. Ouais. C'est juste Vec. C'est marrant parce qu'on dirait un bébé qui dit Vivec, mais il sait pas le dire entièrement. Mais bon, et du coup, c'est pareil pour 7. Mais du coup, si on voulait un poème d'amour, c'est vrai qu'il faudrait pas parler à Sotha Sil ou à ses unités, il faudrait parler à Vivec. Hein. C'est Vivec le poète. C'est lui qui écrit les strophes. Oh là, j'ai plein de cadeaux d'Izotti. Merci Monaco pour le sub. Accepter, accepter, accepter. On accepte comment? Proposer offre. Je mets 0. Non, bon. Ah non, c'est bon, oui. Ce poème d'amour. Il faut que tu le lises. Ah, j'ai pas le niveau 16 encore. C'est pour plus tard. Il faut que tu le lises. Il est sur le mur derrière le robot. Attends, il est juste en train de me filer plein de trucs pour mon level 16. Le 782. Merci beaucoup, c'est très gentil, Izotti. Hâte de mettre ça. Est-ce que Krayn, tu veux que je te changer la couleur? Est-ce que Krayn, tu veux que je te le lise? Vas-y. C'est en 5 vers, hein, ça a vu. Poème d'amour LT0782. Début poème, 2 points. Tes mérites sont incalculables. Mon cœur, métaphorique, pompe comme un piston. Mes souffles pelviens et ou du genou sont instables. Dès qu'en contact physique, nous entrons. La symétrie de ton visage est plaisante aussi. Fin poème. C'est un poème de les bonnes idées, hein, elles sont là. Hein. Mais un poème de robot, mais c'est tellement adorable. Oui, c'est mignon. Oui. Ah putain, on peut pas lui en vouloir. On va pas prendre celui-là. Hein. Ouais, je pense pas que ça plaira à la Corbac. Hein. Mystère des factotum, non, ouais, non, ça passe pas. Je pense qu'il faut parler aux autres et puis voir les poèmes qu'ils vont nous écrire. Ouais, ouais. Écoute, c'est qui lui? Rainoud. À la vanille. Non, t'es où? Avez-vous besoin de quelque chose? Un breton. Je travaille sur un théorème, mais oh, j'ai perdu le fil, bon sang. Cette voix. Bon, vous avez toute mon attention. Que voulez-vous? Tu vas y aller à Désastre. Ça va être bien lourdeau, là. Ouais. Je cherche à me couvrir de gloire. Des suggestions? Un poème d'amour? Par les rouages, mais pourquoi faire? Je ne m'écarte plus guère des bobines mathématiques de nos jours. Mais j'aimais beaucoup la balade de Brisbane-Brisage fut un temps. Ah, il est nordique, pas breton. Ce ne sont pas les vers les plus doux, mais il faut battre le cœur. Bobine 6. Bobine 6, on peut voir ça. Étagère de livres. Étagère de livres. Voilà. On va rêver quand même. Ici, ok. Où ça, où ça? Les passions de Brisbane étaient ardentes, telle une conflagration de désirs interdits. Doué d'une voix, par la chair brûlée de ses ennemis, la mort chantait un hymne funèbre et faucha les âmes comme des épis. C'est nordique. Voilà, je suis pas convaincu. Moi je suis convaincu, mais c'est tellement mignon quand tu compares ça culturellement au poème du robot. Il y a bien avec. Oui, oh, non, mais le poème du robot il est parfait quoi. Est... Une elfe noire. Est-ce que juste avant, tu m'autoriserais une goutte de l'or juste avant? Vas-y, vas-y. Très bien. Tu te souviens que j'avais parlé de Vivec, Almalexia et Sotha Sil qui ont atteint leur divinité grâce au cœur de Lorkhan. Oui. Une espèce de cœur littéral, oui, oui, mais qui est divinité. Oui. Voilà. Ils utilisaient des outils Dwemer qui s'appelaient lamentation. Il y a un marteau et un gant qui permet de porter un couteau. Bref, c'était les outils de Kagrenak, le chef ingénieur technicien Dwemer, qui pouvait puiser l'énergie du cœur de Lorkhan, ou la faire diminuer ou la faire monter. Voilà. Nerevar, le général, chef des 6 factions des elfes blancs, ou des elfes jaunes, hein, tu sais, des hauts elfes, de l'île de Morrowind, avait unifié tous les elfes de Morrowind, à la base, contre les nordiques, parce qu'ils étaient en guerre et tout ça. Après ça, Nerevar est devenu pote avec les Dwemer, les elfes de la montagne, qui vivaient dans la montagne, encore dans le volcan de Morrowind. Sauf qu'un jour, les Dwemer ont commencé à bosser un petit peu sur le Numidium, et ils ont commencé un petit peu à bidouiller le cœur de Lorkhan avec ces artefacts-là, et donc à jouer avec le concept de divinité. Ça n'a pas plu à Nerevar, qui, même s'il était pote avec le roi Dwemer de l'époque, est venu le voir et lui a dit « Mec, arrête tes expériences, c'est pas cool. » Le roi Dwemer, il lui a fait « T'es fou, c'est la clé pour la divinité pour tout mon peuple, nique bien ta race. » Du coup, ça a déclenché une guerre, et à l'issue de celle-ci, Nerevar est allé à la montagne, a gagné la guerre, parce que les Dwemer se sont fait dépop. Tu sais, ils ont bidouillé le cœur de Lorkhan et ils ont tous zéro somme, ou alors ils ont accédé à la divinité, on ne sait pas. Tu sais, c'est ce que je t'avais expliqué, tout le peuple Dwemer a... Voilà. Oui. Le seul Dwemer qui n'a pas disparu, c'est un Dwemer qui était en Oblivion, qui quand il est revenu était là, bah vous êtes tous les mecs. Voilà. Non mais je déconne pas, donc tu vois, c'est pour ça. Donc du coup voilà, du coup toutes les cités étaient vides et donc Nerevar a investi l'endroit. Lorsqu'il est tombé sur les outils de Kergrenak et le cœur de Lorkhan, il a regardé ses trois généraux, plus exactement son amante slash sa femme, son meilleur pote et son conseiller, Vivec, Almalexia, Sotha Sil, ainsi qu'un de ses généraux, Dagoth, voilà, et leur a dit... mec, faut pas y toucher, on va voir ce qu'on en fait. Dagoth, ça te dérange de garder les outils et le cœur 5 minutes pour faire en sorte que personne y touche? Dagoth était là, ouais, pas de souci, tant qu'on les pète après, pas de souci Dagoth, je te fais confiance. Ils sont allés dans leur tente, ils en ont discuté ensemble et ils se sont tous mis d'accord sur le fait de devoir détruire ces outils et le cœur. Tu vois, parce que c'était trop de puissance. Mais lorsqu'ils sont retournés dans la montagne, Dagoth avait été corrompu par le cœur car il a utilisé les outils sur le cœur, un peu comme l'anneau de Cianzano, voilà. Et il a été changé et a commencé à être influencé et à montrer des pouvoirs. Nerevar, Vivec, Almalexia et Sotha Sil se sont battus contre Dagoth et une chose est sûre, ils l'ont tué. Ils l'ont tué. Il est mort. Il est mort, stone dead, il est mort. Cependant, comme il a eu une connexion avec le cœur de Lorkhan, juste avant, hein, comme il s'est fait la connexion ou autre, il est sorti du cycle de réincarnation classique. Lorsqu'un truc meurt dans le monde de Elder Scrolls, il va dans le Dream Sleeve afin que son âme soit purifiée et qu'il soit réincarné. Le Dream Sleeve, c'est l'endroit que tu vas quand tu rêves. Quand tu dors, tu vas dans la zone du rêve et c'est là aussi où vont les morts. C'est pour ça que tu peux avoir des visions en rêvant de... comment ça s'appelle, Sovngarde. Tu sais, dans Skyrim, le Valhalla, l'équivalent du Valhalla. Voilà. Sovngarde, c'est à la fois là où tu vas quand tu rêves et que t'es nordique, mais c'est aussi là où tu vas quand tu meurs et que ta religion c'est nordique. C'est pour ça, c'est le Valhalla en fait. C'est le même endroit. Cependant, Dagoth Ur, il était en dehors de ça. Mais assez sur Dagoth Ur, revenons à Vivec, Almalexia, Sotha Sil et Nerevar. Nerevar a regardé Vivec, Sotha Sil et Almalexia et leur a dit mec, c'est pas une bonne idée, vaudrait mieux ne pas toucher au cœur ou au gantelet ou tout ça. L'idéal, ce serait de les détruire. Nerevar, par la suite, a été mortellement blessé, malheureusement, et est mort, hein, malheureusement. Et Vivec, Almalexia et Sotha Sil avaient fait le serment à Nerevar de ne jamais se servir du cœur. Un serment devant Azura, qui était encore la divinité des Donneurs à l'époque. Enfin, des elfes blancs, c'était pas encore des Donneurs. C'était des elfes blancs, tu vois. C'était encore une de leurs divinités. Mais du coup, une fois que Nerevar était mort, au bout de quelques années, Sotha Sil, il vient voir Vivec et Almalexia et il fait « Les mecs, j'ai découvert comment fonctionnent les outils de Kergrenak et le cœur de Lorkhan, on peut devenir des dieux, mais des dieux bien, des dieux qui font en sorte que leur peuple, eh ben, ils en chient moins, tu vois, des dieux qui arrêtent des lunes avant que ça s'écrase sur le sol ou des dieux qui essaient d'améliorer un peu le niveau de vie de tout le monde. » Et Vivec et Almalexia, hein, pour des raisons différentes, ont dit « Ouais, y a pas de problème, ouais !» Mais ce faisant, ils ont brisé leur serment envers le Nerevar, envers leur général, slash leur ami, slash leur amant, slash leur maître, tu vois ce que je veux dire. Et Azura, elle a popé, en mode « Ouais les mecs, qu'est-ce que vous faites? C'est de la merde, vous faites quoi ?» Vivec et Sotha Sil, ils regardent Azura et font « Eh ben on devient des dieux, connasse. Tu vas faire quoi? Hein? Hein? Tu vas faire quoi? Tu vas sucer le moitra ?» Et Azura, elle s'énerve et elle fait « Très bien, puisque c'est comme ça, toute votre population, tout votre peuple, tous les elfes blancs qui vivent en Morrowind auront la peau sombre et les yeux rouges pour refléter le crime qu'ils ont commis, pour refléter le pacte qui a été brisé. Et c'est comme ça que les elfes noirs ont été créés. Vivec, Almalexia et Sotha Sil ont eu la peau noire et les yeux rouges eux aussi, mais en accédant à la divinité grâce au cœur de Lorkhan, ils ont trouvé le moyen de renverser le processus plus tard, pour eux et seulement eux. C'est pour ça que Sotha Sil et Almalexia ont la peau jaune, parce que c'était leur couleur initiale, et c'est pour ça que Vivec, en mémoire pour le sacrifice de son peuple, et parce que c'était un coup de com' aussi qui était intéressant, a choisi d'être à moitié jaune, c'est-à-dire à moitié divin, à moitié comme il était avant, à moitié Altmer, tu vois, à moitié haut elfe, et à moitié elfe noir. Et les elfes noirs au début ont trouvé que c'était chelou de se transformer subitement. Imagine, t'es dans ton salon et subitement, paf, tu deviens black. La perturbation est réelle, tu vois. Ou alors si vous êtes chez vous, vous êtes noir, paf, vous devenez blanc. Outre les implications sociales que ça, le traumatisme est réel, tu vois. C'est un épisode de Sliders. Ça doit faire hyper bizarre, tu te réveilles, tu te regardes dans la glace. Ah bah c'est voilà, Code Quantum si tu veux, tu vois, c'est Code Quantum, tu te regardes dans la glace, t'es là, oh bravo. Non mais c'est ça, c'est pour ça. Et en fait, quand ils sont venus vers Vivec, Sotha Sil et Almalexia, Sotha Sil et Almalexia leur a dit, Vivec, hein, dans un coup de com', leur a dit, vous en faites pas, c'est notre bénédiction en tant que nouvelle divinité, on va s'occuper de vous, on va devenir un nouveau tribunal et vous allez nous vénérer. Et les elfes noirs, du coup, ils étaient là, ouais, voilà. Et du coup, voilà. Donc c'est pour ça que les elfes noirs existent. C'est vraiment pas une sous-race ou une branche génétique différente. Ils sont eux aussi issus directement de la malédiction de Azura. Et il faut savoir que Divayth Fyr, tu sais, le mage, mage Donald Trump complètement stylé, machin et tout, est assez vieux pour avoir été un Altmer avant. Sauf que lui, le changement de peau, il s'est levé, il s'est regardé dans la glace, il a levé un sourcil, puis il est allé faire ses affaires, tu vois. Non mais c'est vrai, il en a rien à foutre. Tu vois, c'est un Altmer avec un elfe noir, la progéniture, quelle couleur? Il faut savoir que dans le monde des Elder Scrolls, apparemment, toutes les races sont intercompatibles, mais la progéniture sera de la race de la mère. Quoi toujours, oui, je m'en souviens pour les Khajiits, mais je savais plus. C'est pour ça. Donc je m'étais posé la question, mais apparemment, oui, les elfes et les Khajiits sont compatibles, et c'est chaud. Ah ouais. Je veux dire, ton fils, c'est un chat, quoi. C'est chaud. Enfin, c'est chaud. Enfin bon. Mais du coup, on peut lui parler. C'était la fin pour les elfes noirs. Clique. Bienvenue dans l'Archivox, où les enfants de Sotha Sil peuvent entendre sa parole divine. En quoi puis-je vous aider? Ah, et c'était des chimères, on me dit dans le chat, et pas des altmères, c'est vrai. On appelait ça des chimères, c'était avant tout ceci. Mais bref, c'était des elfes jaunes, voilà. Et ils sont devenus des elfes noirs. Je t'en prie. Et on cherche toujours un bon poème d'amour. Un poème d'amour? Par où commencer? Il y en a tant que j'aime. Peut-être le chant de l'essieu, à moins que vous ne cherchiez du conventionnel. Ode aux lys de cuivre, pourrait vous plaire. Il est sur la bobine 19. Moi je voulais le chant de l'essieu. Oui non mais... encore une mécano quoi. Alors le livre des cercles... 19. Attends, parce que ah voilà. Oh Alice, là, à toi de le lire celui-là. Désastre. Un lys d'Eren danse sous l'onde aimable. Ses caresses polissent ses fins pétales. Toi aussi rougis sous une pluie de baisers, sa grâce éclipsée par tes soupirs égarés. Hey, attends, c'est juste qu'on cherche à séduire un corbac. Un corbac, ça aime bien ce qui brille. Ah. Là, je pense on a quelque chose. Hein. Il y a moyen. Je sais pas ce que t'en penses, mais je pense on a quelque chose. Y a personne d'autre à qui on peut parler? Ouais. Il y a un étage en dessous, donc peut-être qu'on peut aller voir, mais je pense pas. Bah, je sais pas, ça brille pas beaucoup. Attends, c'est quoi là? C'est pour copier le poème. Ah. Bureau du boursier. Attendez, je vais voir, je vais vous dire. Il y a rien ni personne. On peut voler des choses, mais c'est tout. Ok, je suis allé voir juste au cas où. Ouais, c'est vrai que ça brille pas beaucoup du coup. Non, mais le coup du l'air, je pense que c'est celui qui parle le mieux parce que. On a un poème de robot hein, qui parle de baise mais robotique. On a un poème qui parle de décapitation sous la neige. Et on a un poème qui parle de lys d'airain. Je trouve ça pas mal. Allez, ode à un lys de cuivre. D'ailleurs, un lys c'est bien. Ouais, c'est vrai, la lys de cuivre, ça brille, tout ça. C'est bien. Voilà. Ça devrait séduire notre ami. Je suis quand même curieux de voir ce que ça fait si tu donnes les autres. Moi j'aimais bien celui du robot, il était tout mignon et tout. Oui c'est vrai, c'est vrai. Il y a une candeur mais je pense pas que ce piaf soit, disons, intellectuellement suffisamment avancé. Allez, pour... Tout le monde est devant? Allez vas-y. Mes plumes frémissent sous les mois de l'inspiration. Bon. Dites-moi, avez-vous trouvé un poème digne de Dame Chancrel? Vas-y Bob. Ah merci. Bien sûr, j'ai trouvé moult poèmes monsieur. Alors, lequel devrais-je utiliser pour séduire mon aimée attentive? Ode aux lys de cuivre. Lys, ça prend pas un Y, ça me choque. Paraît charmante. Montrez votre transgression au chevalier. Oui, parfait. Prenons ça. J'ai hâte d'exprimer mes sentiments à la manière des gros sans plumes pleins de sueur. Oula. Suivez-moi au quartier des machines, écuyer. Vous allez enfin rencontrer la dame de mon cœur. Et le duc, bien sûr. On s'y retrouve. Des bisous, mon gros. Je file au château et vers madame. Vers l'infini et au-delà. Et il dépope. il dépop de manière flagrante. C'est où? C'est en face. Je pense qu'on peut faire le tour. On est toujours sur la quête pour sauver la cité hein, d'un Daedra qui a remplacé Sotha Sil, je rappelle. Là, j'ai un peu l'impression d'être sur la planète Casino dans Star Wars. Hein. Je vous cache pas. Je vous cache pas. Ah mais je me suis fait détecter. Non. La voilà. Quelle est la situation là-dedans? Izotti qui voit le futur. Des Daedra et des adorateurs de l'ombre contrôlent une bonne partie du quartier. Et les cieux sont noirs de corbeaux. Par ici, écuyer! Venez, venez! L'auxiliaire de Varouni? Que faites-vous ici? C'est la merde. Faut leur nettoyer. Ouais. Surtout pour notre nouveau pote, le Piaf. Ok. Parce que sans déconner, hein, Bird Bro, il a l'air bro. Hein. Moi, j'ai envie de lui faire un nid, tu vois. Non, il a l'air bro, il a l'air bro. Écoute, parlons à la proctologue. Clique. D'abord ce salaud de Divayth, et maintenant des corbeaux. Vos choix de compagnons se dégradent. Désolé, c'est une journée compliquée. Vous voulez pénétrer dans le quartier des machines? Pourquoi? Et parce que ce corbeau a promis de me conduire à la clé qu'il a volée à Gascogne. Normalement, je dirais qu'il suffirait de les tuer et de prendre la clé de force. Mais on dirait que ces oiseaux ont un talent réel pour cacher des objets. Les Daedra et adorateurs ont fouillé le quartier pendant des heures, et on dirait qu'ils n'ont rien trouvé. Raison de plus pour suivre le corbeau. D'accord. Jouez donc à leur jeu ridicule, pour le moment. Mais je vous accompagne, j'ai perdu assez d'habitants comme ça. Un conseil, ne laissez pas ces vermines d'Edric prendre le dessus. Nous devons apprendre la nature de cette clé avant qu'il ne soit trop tard. Très bien, mais par contre, vous éloignez pas. Non, votre femme de métal n'est pas la bienvenue au château Noir Plume, je l'interdis. Oh merde. Je me refuse à approcher votre sale château, vermine. Finissons-en. Elle est désagréable, elle, quand même. Ils s'aiment bien, les deux. Écoute, écoute, écoute. Oui, moi, j'aime bien son mascara. Elle se met du noir sur les yeux. Elle est à moitié barlafrée, mais elle est coquette. Moi, je trouve ça attrayant. Après, j'ai des goûts extrêmement spécifiques. Enfin, bon. Comme on l'a déjà dit, qu'est-ce qui n'est pas le fétiche d'un Lennon? Allons-y. C'est ouf. Ma chère Vierge de la Ruine, mon cœur enfle de vous voir, comme le ventre d'un chat mort exposé au soleil. Il est là. Un lys de bronze se balance sous l'onde aimable. Ses pétales brillants polis sous une pluie de baisers. De la pluie? Non, ça me plisse les plumes. Oh, pas de la vraie pluie, une pluie d'entrailles, oui, délicieux. Des entrailles. Gentil chevalier, vous savez que le cœur s'atteint par le gosier. Amenez-moi des entrailles et nous les partagerons. Elle a dit oui. Je suis votre obligé, ami des corbeaux. Duc, puis-je vous présenter le poète déplumé? D'accord. Bah écoute, ouais, celui des Nordiques, il aurait bien fonctionné, je pense. Ouais, j'avoue, ouais. Approchez, poète. Laissez-moi prendre votre mesure. Alors, attends Bob. Bon, en même temps, on savait pas ce qu'elle valait la gonzesse, donc bon bah voilà, c'est pas grave. D'ailleurs, comment on dit un corbeau ou une... C'est pas grave, lance. Salut, amis des corbeaux, près mon grand chevalier de moelle. Venez-vous en pourparler? Quelle faveur souhaitez-vous obtenir de la cour de Noirplume? Désastre. Je cherche la clé que vous avez volée à la basilique mécanique, votre grâce. Le brillant. Le grand trésor! Scandaleux! Que pourriez-vous nous proposer qui rivalise avec l'éclat de ce magnifique crève-verrou? Parlez vite! Parlez! Mes chevaliers et moi devons nous préparer pour notre prochain combat contre les exarques des scories! Je pourrais vous aider à les défoncer. Vous prendriez la bannière de la cour de Noirplume? C'est tentant. Les exarques utilisent des alliés sans ailes pour abattre mes vaisseaux et éparpiller mes trésors. Mais si nous avions notre propre géant... Très bien. J'accepte. Allez, détruisez les exarques et la clé sera à vous. Excellence. À vous. Scellons notre pacte par une gratouille sous le cou. Du coup, quoi, on lui demande pourquoi il se bat ou... moi, j'aime bien les piafs. Ah, quel dommage. Bon, ah ouais. C'est pas grave. Okay. C'est pas grave, tirons-nous. Tirons-nous. Se barre. Allons massacrer des piafs. Voilà. D'autres piafs. Attends, étape optionnelle, parler à Luciana, juste là, Bob. Ah oui. Luciana. Tu la vois? Hop, là où je saute, à côté de moi. Ah, elle est pas au même endroit chez moi. Ah, c'est un piaf. Ah, oui, pardon. Mais non, Luciana, c'est la proctor Luciana. Ouais, ouais. Moi, elle est de l'autre côté. Ah, d'accord, oui, je la vois. Parlons-y. Hop. Donc, nous allons combattre des oiseaux. Si les dragons de Raymond me voyaient en train de manier la magie pour vaincre des volatiles... Vas-y, Bob. On doit simplement faire peur aux autres corbacs et ils nous donnent la clé, facile. Vous savez, dans ces moments, je regrette vraiment de ne pas avoir le sens de l'humour. Et comme je ne l'ai pas, je compte sur vous pour ne parler à personne des détails de notre aventure. Ne vous inquiétez pas, ma belle balafrée d'amour et de sucre, je resterai avec vous coûte que coûte. N'en faites pas trop. Oh. Assez bavardé. Je pense qu'elle a détecté dans ta voix que c'était un peu exagéré. Je n'ai aucun remords. Très bien. Bon bah allons taper du corbac. Il y a Izotti en bas, mais regardez, je l'esquive, je l'ignore. Ouais, il y a plein de corbacs partout. Oh ya! Retraite! Ah là là, cette façon de faire la guerre. Bra! Bra! Je suis la mort et la destruction. Allez, chou! Ouh, le coffre. Quelle violence! Quelle violence! La guerre des corbeaux, c'est adorable. Vous en avez trouvé en... Attends, je suis à 2 sur 3, je sais pas vous. C'est quand même mignon cette manière de faire la guerre, tu peux la faire avec un pistolet à eau. Oui, c'est mieux. Ça serait bien, ouais. Non... Peut-être en haut, je sais pas. Là, y'en a. Ouais, y'a les 3 là, non. Ah bon? Ouais. Oh là, y'a des ennemis. Allez, ouais, demi-tour. Qu'est-ce que vous avez trouvé, troisième? Ah, attends, j'en ai loupé un. Là-bas. Là, y'en a un. Ah non, c'est le chevalier de moelle. C'est bon. je te les vois les disperser. Retraite. Ah putain, et vas-y, clique. Ha! Bien frappé, écuyer. Les exarques sont en pleine retraite. Écoutez-les cacter comme des poules et videz leurs tripes. Il est temps de contre-attaquer. Préparez-vous à votre plus grand défi, amis des corbeaux. Le gardien immobile. Le gardien immobile? Oui. Les adeptes terrestres l'ont invoqué pour protéger leur trésor. Le gardien se tient comme une montagne de bronze et de colère. Nous ne pouvons pas en approcher, mais en tant que géant sans plume, vous serez peut-être immunisé contre son regard. Un épouvantail. Je m'occuperai de ce gardien immobile. C'est ça, oui. Merci, Bubuzi Only One, et bim. Excellent. Eh ben écoute, allons détruire le fameux épouvantail, le monstre. Ça voilà, a l'air loin. Monstre. Comment on va là-bas? Où est-ce? Alors tout en haut, en haut à droite de la map. Probablement pas. On doit pouvoir passer par un chemin au-dessus peut-être. Non par là, là où je suis en train de passer. Non, très bien, on arrive. Faut suivre Izotti. Izotti, il sait pas où on peut passer, vu qu'il essaye de passer en avance. Et Gorge murmurant. Ah, on tombe sur des ennemis de... Enfin, sur des monstres de Nocturne. On est sur la bonne piste. Mais c'est ça, regardez, c'est là, il est là le gardien, regarde-le. Tu le vois? Il est où ça? Non, c'est pas lui. Non, c'est là, il y en a un. Juste un... Voilà. C'est un épouvantail. Bon, je bute un peu de trucs sur la route, parce que ça fait du pex. Moi j'y vais. En ninja. Bon, on bourre. Apparemment on est sur un bon rythme, ouais, ça me dit qu'on aura fini l'extension bientôt. Ah oui? Bah, on n'est pas encore au bout, mais encore à live et ça passe. Je sais pas. Ah. Après, Summer 7, hein, pour lui, je sais pas quoi la date de sortie. Allez. C'est le 21 mai ou le 5 juillet, je crois, sur compte. On a encore le temps. On est bon. Ah, le voilà. Je l'avais dit. C'est tellement adorable. Bon bah détruisez-le, voilà. C'est bon, combat épique. Alors, retournez au château de Noirplume, suivez les plateformes surélevées. Mais surtout, t'as les piafs qui sont là, ils ont terrassé notre gardien, enfuyez-vous. Mais c'est juste attends, suivez les plateformes surélevées, ça veut dire est-ce qu'on peut passer par le haut ou pas du tout? Ah putain. Ce serait rigolo si on pouvait. Je sais pas si c'est possible. Oh là là, ça mine. Ah pardon, ça traînait, ça traînait. Bah, je pense qu'il faut repasser par le bas, je sais pas. Ou alors on peut suivre le, on peut suivre la plateforme celui-là. Ah, tout en passant par là, ouais. Yopkel, et bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Ouais, non, c'est pas là. C'est fou quand même la quantité de minerais qu'il faut pour monter de level dans ce jeu. T'es level combien en forge? Ou alors c'est quoi ton level de craft le plus haut? Ah bah c'est 50 pour les compétences. D'accord. Bon à savoir. On se fait pas attaquer. Bon ils ont deux tensions, parfait. Oh il y a des pièges. Hop. Hop et ça on l'évite comment ça? Je sais pas où je suis en train d'aller. Si c'est bon. Si ça doit être bon. Ah non c'est bon, d'accord. Vous le sentez bien par là ou... Personnellement je vous suis mais de loin je pense que je suis perdu, j'arrive au piège moi. Et là il y a un corbac. Il me dit merci, c'est cool ça. Ah ouais oui, c'est bon, on est devant. Oula oula des robots. C'est bon, ils ont pas l'air de s'intéresser à moi, c'est cool. Ah. Aïe 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 aïe. Il y en a plein. Il n'y a pas dans ce jeu un système de faction. Quand tu tapes certains mobs, bah tu t'entends mieux avec une autre faction, etc. Il y a moi j'ai les compagnons. À chaque fois que je bute un truc qui est Dédric ou un monstre, ils sont contents. Ah oui, ça c'est la guilde des guerriers. Mais pardon, oui, les compagnons sont moi. Ah, tu es obligé d'attendre. Non, non, tu vois, c'est un œuvre à partir de moi. Quand je le prenne, je sais plus. Quel bordel! Aïe! Non, c'est bon, faut juste attendre. Phew! C'est pratique d'avoir un ange gardien quand même. Alors, j'ai passé la porte. Je vous attends ici. J'en ai assez des oiseaux. Ok. Très bien. Je suis juste à côté du duc des Corbacs. Je suis revenu. Il faut aller à droite. Non, c'est par là, c'est par là. Ok, on est là, c'est bon. Bouteille d'alchimie. Baril. Bouteille d'alchimie, pomme. Le duc des corbeaux. Bah, est-ce qu'on voulait. Go. Victoire! Nous avons curé leurs eaux et pillé le trésor de l'exarque. Une belle journée pour la cour de Noirplume. La reine des pailles a dépêché un émissaire pour demander les pourparlers. J'ai un plan pour l'effrayer pour de bon, mais j'ai besoin de votre aide. Désastre, je crois. Oui, ça okay. Attends, attends, mon petit pote. Tu nous avais dit que si on battait les exarques, tu nous donnerais la clé. Mon emplumé. Je sais ce que j'ai dit, mercenaire! Nous n'avons pas encore vaincu les exarques. Ils nettoient leurs plumes et affûtent leur bec en ce moment même. À moins de briser la détermination de leur reine, ils reviendront sans cesse. Ce sera votre dernière mission. Je vous le jure. Ouais, d'accord. Mais c'est tout. Qu'avais-tu en tête? Une ruse, un bluff, un grand stratagème de corbeau. Oh. Retrouvez-moi au bâtiment appelé Incarnatorium. Je vous expliquerai tout. Ok. D'accord, hein, mais c'est le dernier boulot qu'on fait pour toi. Après, ce sera jamais plus, jamais plus, jamais plus. Ah, on peut encore parler à Proctor, visiblement. Ah mince, il y avait un truc optionnel, je l'ai pas vu. Ouais. Parler à Luciana. Ah, ouais. Bon, je vais parler. J'aime bien ces dialogues, donc je vais faire demi-tour parce que j'ai envie de. En même temps, je me mets à sa place, hein. Bon, ça doit être dur quand même. Bon, bien sûr, je me tape un chargement de 20 ans, mais. Je reviens, un jour. Bien sûr, pas de soucis. En même temps, bon, pouvoir parler aux animaux et devoir faire face à leur guerre de faction et leur politique interne et tout ça, je comprends que ça rajoute un degré de complexité, mais en même temps, ils sont tellement simples. Je veux dire, ouais. Tu peux unir deux factions si tu distribues, si tu leur donnes tes poubelles, en fait. Donc, basiquement, j'ai envie de dire, ça va, c'est pas trop... Tu vois, c'est comme régler la guerre entre deux fourmis, tu leur lâches un pot de miel, quoi. Vous lui avez parlé ou pas encore? Pas encore. Non, non, je suis encore devant. Allez, go. Vas-y. C'est fini, n'est-ce pas? Où est la clé? Bob. Ah, il reste un boulot à faire. On doit faire peur à la reine des Axarques. Ça doit pas être grand-chose, ça doit être une vieille dame ou quelque chose. Je crois que j'ai été de bonne composition, mais je n'accepterai plus aucun ordre d'un oiseau parlant. Je reste ici pour garder l'entrée, au cas où d'autres adeptes ou des draps arriveraient. Faites vite, d'accord? Oui, bien sûr, t'as plus envie de participer à la mission qui t'incombe de tenter de défendre cette ville et au lieu de ça, tu lâches la carte à un parfait étranger alors que depuis le début, t'arrêtes pas de dire qu'on est des incompétents et que tu devrais te tenir loin. Finalement, qu'est-ce que t'as accompli à part critiquer, hein? Quelle est la quantité de colle que tu te mets sur les yeux? Est-ce que c'est là que va vraiment l'argent de Sotha Sil? Est-ce que t'es vraiment fier de ta carrière? Que dirait ton père? Bon, je reviendrai le plus vite possible. Il vaut mieux. Avec la clé et sans cette agaçante escorte ailée, entendu? Elle parle mal de mes potes. Pourquoi son père et pas sa mère? Bah, ce que tu veux. Je suis nordique, j'ai juste présumé, voilà. Mais hein, c'est sans importance, hein. T'as raison. Que dirait ta figure d'autorité? Ça peut être un chat, un goire ou ce que tu veux, moi je m'en fous. Un beau petit écran de chargement. En tout cas, Vivec, Vivec serait déçu, voilà. Fier de sa carrière, bien plus que tu ne le crois, Bob, bien plus que tu ne le crois, Maximus. Oh, enfin, je déconne. C'est juste parce qu'elle est imbuvable depuis le début. Allez, niveau de l'usine. Attends, le duc des Corbacs, il a réussi à rentrer là-dedans? Il a attendu que quelqu'un ouvre la porte et... Je sais pas. pardon, j'ai juste l'image mentalement d'un corbac qui patiente que quelqu'un ouvre la porte automatique du magasin. C'est ça. D'ailleurs, il est là. Hein. Ah putain, il est balèze ce corbac. Tu sais, il me fait penser un peu au dessin animé, tu sais, dans les Animaniacs, il y avait les histoires des trois pigeons avec le gros pigeon chef de la pègre. Là, il me fait un peu penser à lui, tu vois, c'est pour ça. Vas-y, parle-lui quand tu veux. Go. La reine des pailles arrivera bientôt. Nous devons l'étourdir par le faste. Êtes-vous prêts? Ah oui, d'accord. Comment vous comptez y parvenir? Regardez autour de vous. Je n'ai pas choisi ce lieu par hasard. Les appareils qui tirent et qui poussent sont légion autour de nous. Lorsque les serviteurs sans aile de la cité s'en servent, les rouages tournent et les tuyaux grincent. Je dois convaincre la reine des pailles que ces machines n'obéissent qu'à moi. Mmh. Donc mais c'est qu'il est malin en plus ce crâne de piaf. Vous voulez que je me mette en secret aux commandes? Et merci oui, beaucoup exactement, un spectacle. Mes jambes toutes sveltes et royales ne sont pas assez fortes pour pousser et tirer ces leviers. J'ai besoin de vous avec vos mains de chair. Lorsque la reine des Exarques aura vu mon pouvoir, elle s'envolera pour ne jamais revenir. D'accord. Et vous savez à quoi servent ces commandes? Bien sûr que non. Très bien. C'est pas les proches. Cachez-vous. Ah, va falloir se cacher. Ok, on se cache. Derrière les caisses. Vite. Attends, ils arrivent pas où? Parce que s'ils arrivent derrière... Attends, elles sont où les commandes? Attends. Cachez-vous, écoutez la négociation, il va falloir avancer. Là, ça doit être bon, non? Putain, faites confiance à Désastres. Je détiens la puissance des machines. Vous me croyez naïve? Donnez-moi la clé ou nous vous bécaterons à mort. Bécaterer? Vas-y, tire. Désastres, vas-y. Bam. Quoi? Du calme, Exarque. Ce n'est qu'un tour. Machine debout. Tire un autre. C'est Krayn. Des menaces? Je suis la reine des pailles. Votre fin est proche. Mes machines vous détruiront. Vas-y. Attends, j'ai. Vas-y. Non, impossible. Et maintenant, reine des pailles, J'ai un arc. Je la bats ou... Ah. Oh, il y a Michou. Oh merde, ils sont passés à travers les pales du truc. Victoire pour le duc. Victoire. Ouais, il y a un ennemi là. Ouais, il tape sur quoi lui en fait? C'est de la merde, c'est de la merde. Voilà. Victoire. Et moi, honnêtement, je pense que si on avait pu le conseiller, j'aurais proposé un mariage politique. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, oui. Mais... Enfin bon, vas-y, vas-y, on lui parle. Tac. Il se peut que nous ayons une complication. D'après moi, ce serait plus simple si vous aviez des plumes. Bah, qu'est-ce que vous racontez? Vous m'amenez bien la clé, hein? Mais oui, en quelque sorte. J'ai caché le grand trésor pas très loin, mais dans votre hâte de m'impressionner, vous avez activé le mauvais interrupteur. Et maintenant, la porte qui mène au brillant est bloquée. Bloquée. Je peux passer en volant, mais vous devrez faire le tour. Techniquement, désastre... Ah, je t'en prie, histoire, t'as cliqué? Ouais. Ok, je clique aussi. Au nord, je vais envoyer mon fier chevalier de moelle avec vous. Pas besoin de choses. Bonne chance. Ouais, c'est vrai. Techniquement, désastre, t'es un lézard, tu peux avoir des plumes hein, en tant qu'argonien. Oui. Tu sais, à la création du personnage et tout. Donc, est-ce que si tu fermes les yeux très fort et que tu souffles dans ton nez, est-ce que tu peux retrouver ta base génétique? Voilà, c'est ça. Est-ce que tu peux redevenir le T-Rex que t'étais autrefois? Le T-Rex te plumé à moitié débile qui avait des plumes mais aux pattes arrière, tu vois. Je sais pas, je me souviens plus. Je me souviens plus. C'est garanti. Prenez la clé, ok, bon bah fouillons les caisses d'abord. Ah oui c'est possible, j'étais pas sûr, d'accord. C'est bon, c'est possible. Ici. Non non t'es ici, c'est tout, je suis content. Moi je fouille toutes les caisses parce qu'il y a quand même une grosse quantité de loot gratos ici. Il n'y a pas de raison de se priver. C'est pas du vol. Alors, donc, prenez la clé, elle est où? Elle est... Ouais. Attends, faut passer... Passer par où? On peut pas passer par là, c'est ça? Ouais, ça c'est la porte qui est fermée à clé, donc on est obligé de passer par les symboles au nord, ici, ouais, par ici. Il faut faire le grand tour. Ouais. Suivez-moi! Le trésor le plus brillant nous attend! Étrange, à quoi sert cette salle? Elle est juste isolée. Il dit suivez-moi, mais il a... Qu'est-ce qu'il fait? Il tourne en rond. Bon, bah, on va pas le suivre. C'est un piaf. Voilà. il va nous demander de le suivre, mais quand on aura trouvé le chemin tout seul, il va nous dire que c'est grâce à lui. D'accord. Faut pas lui en vouloir. Faut pas lui en vouloir. Voilà. Faut pas lui en vouloir. Moi je l'en veux pas. Il nous fait passer par un raccourci qui rallonge. Bon après techniquement, si je puis me permettre, à l'époque de The Elder Scrolls Online, avant Daggerfall, parce qu'on est avant Daggerfall hein, en termes d'événements, avant le deuxième jeu. Le sortilège de lévitation est encore méconnu. Ah. Ouais. Il est encore méconnu et n'est d'usage que par certains mages bretons et Telvanni, surtout les Telvanni. Sous Merced, on va pouvoir un peu vite. Ah bon? En fait, c'est juste l'anime quoi. Ouais, bien sûr, mais. Il faut savoir que voilà quoi, c'est pour ça que tu peux t'en servir dans les autres jeux et pas dans celui-là. Je crois que c'était l'explication de l'or. Le sort existe mais il est méconnu. Parce que plus tard tu trouves dans d'autres jeux, tu trouves des bottes de lévitation complètement pétées en... Oh shit! Oh. Il y a un petit ping, des bisous, et bim. C'est bon, c'est bon. Merci. Attends, mais... Comment ça, autorisation de combat? Non, non, il y a ses potes qui arrivent. Putain, les fleurs qui poussent partout, c'est tellement traumatisant. Boum, allez au sol. Voilà. Ok. Ah, c'est aussi lui. Ah, d'accord. On les va encore. Alors. coffres, des clés, du café. Tu peux ouvrir la porte ou non? Non, pas celle-là, c'est celle-là à droite en fait. Ah c'est bon, c'est ouvert, on a tout gagné. On a tout gagné, on a tout gagné. Non c'est bon, tout va bien. Ce que je vais faire, c'est avancer et tous les faire pop. Allez-y, apparaissez. Non, non, mais il n'y en a qu'un. Bon, ah d'accord, c'est progressif, ok. Ok. C'est moi ou t'as un Edge qui te suit? Moi, oui. Mais il te soigne en plus Edge. En fait, il régénère ma magie. Ah. C'est classe. Et c'est un Edge femelle ou... Ouais, c'est femelle. Merci beaucoup, JCV Gamer. Celui-ci, je crois que c'est le femelle, oui. Ouais, c'est un femelle, hein. Un gros Edge mâle, ce serait plus marron et il serait pas agressif. Ouais, il est vert, l'autre. Bleu, mais ouais. Enfin, il a un faisceau vert parce qu'il rend de la vigueur. Mais... Ah, d'accord, d'accord. Aïe, je crame un peu. Bon, et c'est à ta classe, hein. C'est comme si l'autre avec son ours. Non, il n'attaque pas le Edge, c'est juste un buff en fait. Ok, ok. Incarnatorium. Enfin, on va tomber sur l'artefact, mon cher Krayn, et tu vas comprendre. Ah. Tu vas comprendre pourquoi l'autre méritait de mourir et pourquoi ça valait le coup qu'on se fasse. Enfin. Bon bah voilà. On l'aura pas. Mon chevalier, non. Oh là là, rage des corbeaux. Ah putain, il a tué le chevalier de la moelle. Ah non, c'est le chevalier de la moelle qui l'a transformé. Oh, je suis pas d'accord. Nique ta race. Allumez les lampes et inondez chez moi. Nice. Ah ah ah. C'est bon. Faut pas bien lever son garde sur lui. C'est bon, il est mort. Nickel. Pardon. Excusez-moi, c'est les triples proutes. Ok. Et donc c'est là qu'ils emmagasinent tous les trésors, pas beaucoup de trucs brillants si tu veux mon avis. Je serais curieux par contre de savoir comment ils ont ramené un bras entier. Ils sont vénères les corbeaux quand même. Mais donc on a vraiment... On a pas tué le chevalier de... Je ne sais pas. On verra bien quand on verra, mais il faut qu'on parle au duc des corbeaux. En tout cas mon cher Krayn, c'était la clé squelette. La clé squelette est donc un artefact... Je crois qu'il est d'origine d'Edric, mais je suis pas sûr, qui est capable d'ouvrir n'importe quelle serrure, n'importe quelle combinaison, et ça peut ouvrir les serrures à un niveau métaphysique, c'est-à-dire si tu as un digicode, ça marche. D'accord. Non mais t'as pas besoin de serrure. Et attention, si tu tortures quelqu'un et que tu, cherches à ouvrir son esprit pour obtenir les réponses, ça marche. Si tu veux ouvrir l'esprit de quelqu'un pour réécrire sa personnalité ou accéder à sa mémoire, ça marche. Si tu... À partir du moment où tu as le mot ouvrir... Tu peux réécrire sa personnalité? Bah, une fois, tu peux y accéder. Après, une fois que t'es dedans, tu te démerdes. Ça dépend de ton niveau de compétence. Mais ce que je veux dire, c'est tu as accès à la banque de données de ses mémoires. Tu as accès à la bibliothèque de sa personnalité. Forcément, tu peux prendre quelques bouquins et les brûler, tu vois. Oui. Après, voilà. C'est pour te dire. Donc, la clé squelette, voilà. La clé squelette, quoi. D'accord. La clé squelette. Merci Rico, bienvenue à toi, les bisous. On peut l'acheter la clé squelette, enfin, quand on a certains succès sûrement liés à la quête, on peut avoir la clé squelette et la mettre chez nous. Oui, c'est un... on me dit que c'est un artefact de Nocturne, mais c'est pas elle qui l'a créé à la base. C'est ça le truc. Le truc c'est que la clé squelette est très dangereuse parce que certes c'est un outil idéal pour les voleurs, mais dans la main d'un connard, je veux dire, dans la main de quelqu'un qui aurait accès à un Sotha Sil qui serait enchaîné et qui aurait la clé squelette. Quel secret pourrait-il débloquer, tu vois? Ouais, dangereux. Donc du coup voilà, duc des corbeaux, c'est quand vous voulez. Go. Notre victoire sur les exarques nous a coûté cher. Plume et serre, notre défunt chevalier fut un véritable héros. Nous ne pardonnerons pas, ni n'oublierons. J'ignore à quelle serrure l'ombre destine la clé qu'il a volée, mais nous vous aiderons à l'arrêter. Merci Bob. Vous nous aiderez à trouver l'ombre de Sotha Sil et la clé squelette? Oui. Vous êtes autant membre de la cour qu'un de nos corbeaux. Nos ailes rapides et nos yeux affûtés sont à votre service. Trouvez l'ombre de Sotha Sil, reprendre la clé volée et venger mon chevalier de moelle. Ah si, ouais, ça. Il est mort. C'est triste, déçu. Putain. Non mais là maintenant c'est personnel. Ouais. Mais ce que je veux dire c'est voilà, du coup Krayn, si ça peut te faire sentir mieux par rapport au meurtre de l'autre gars qui a permis à ce que quoi que ce soit obtienne la clé squelette. Voilà, hein, voilà. Ouais. Il y a des fuck-up, voilà, il y a des fuck-up, tu pardonnes pas. C'est littéralement la vis nucléaire, quoi. Enfin, t'as pire. Enfin, je t'en prie. Go. Vous avez l'air secoué. Qu'est-ce qui s'est passé? L'ombre de Sotha Sil m'a attaqué. Elle a pris la clé squelette. La clé squelette? La clé de Nocturne? Bon sang, je m'en doutais. Mais j'espérais que c'était faux. Cette clé est un artefact transdimensionnel au pouvoir inimaginable. Nous devons la récupérer. Qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Et merde. Ah. L'alarme omnivox. Peste. Quelque chose pénètre dans le cogitum centralis. Je dois retourner à la basilique. Retrouvez-moi là-bas. Et donc tu vois, la banque de données qui dirige tous les robots de cette putain de ville, c'est ouvert. Donc le mec il est dedans, il fait ce qu'il veut. Et aussi accessoirement mon cher Krayn, oui. La clé squelette, pardon ça faisait point. La clé squelette permet aussi d'ouvrir un portail si utilisé magiquement. C'est d'ailleurs une quête dans Oblivion. Si utilisé magiquement, tu peux ouvrir un portail vers un plan d'Oblivion. D'accord. Donc imagine que ça tombe sur un fan de Mérunès Dagon quoi. Ou sur un fan de comment ça s'appelle le Daedra du viol, le méchant principal de Teso. Merci, voilà, sur un fan de ce connard. Il ouvre une porte d'Oblivion et hop, on est baisé. Littéralement, hein, avec des picots. Voilà. C'est moche, tu vois ce que je veux dire, voilà. D'ailleurs, un des plots dans Oblivion, c'est que justement, la clé squelette, tu peux obtenir ça ou autre, mais il y a quelqu'un qui la recherche, ou plutôt il y a un petit parchemin et un journal où il y a un fan de Mérunès Dagon, justement un des méchants, qui dit qu'il l'a recherché toute sa vie, parce que s'il l'avait, il aurait pu ouvrir les portes d'Oblivion, quelle que soit la volonté d'Akatosh, de tout ce que tu veux, enfin voilà quoi. Personne n'aurait empêché d'ouvrir des trous dans la réalité. Pour y invoquer toutes les saloperies que tu veux, donc... Non, si tu me demandais, moi la clé squelette, je l'aurais enterrée quelque part. Hein. C'est vraiment un artefact à la con. L'ombre a maudit l'ascenseur. Si nous avions la clé que vous avez réussi à perdre... Il parle. Encore? Je vous ai déjà dit que le Seigneur 7 ne permettait pas que la clé squelette pénètre dans la cité. Il doit y avoir une autre explication. Vous êtes arrivés juste à temps. J'avais mon sou des chamailleries entre Divayth et Varouni. C'est bien ce que je craignais. L'ombre est entrée dans le cogitum centralis, le siège du pouvoir du Seigneur 7. Si elle parvient jusqu'au centre et retire le Seigneur 7 du trône aligné, nous devons l'en empêcher. Nous sommes arrivés. Je peux pas l'accomplir, votre inventaire est plein. Ah là là, ah là là, je suis obligé de quitter. Elle s'est glissée dans les fondations et a scellé toutes les portes menant au niveau 14. Fyr et Varouni ont tenté de briser le feu. T'as pas un petit marchand à faire magiquement? Si. Maudite sombre. Nous devons parvenir au cogitum. GG. Leçon à couronne, vitesse de monture, vigueur et charge. Et eh ben je vais prendre vitesse. Il est où? Ah, celle-là. Alors, magasin. Rebut, il n'y en a pas. Simple. La dague en fer, l'épée longue. Bon, le verre, on vire aussi. Hein. 1742 dégâts. Allez, on vire tout ce qui est vert. Ça, c'est bon. On va dire au vef. Ça c'est un 7, ça au vef. J'ai combien? J'ai 10 places. Bien 10 places. Ouais, c'est pas mal. C'est un début. C'est un bon début, c'est un bon début. Oui. Ça m'a l'air pas mal. Ouais. Ah attends, Nusimet, bibine de l'athlète, je peux lui vendre ça. Du cabillaud salé, je vais pas lui vendre ça. Vous... Du scotch au miel, je le garde. Bon écoutez. Nous sommes arrivés trop tard. Vous avez fait le dialogue après ou pas du coup? Ouais, moi il n'y a pas d'autre chemin que le cogitum centralis. Voilà, j'en suis là. Ouais. Bah, vas-y. Fyr et Varouni ont tenté de briser le feu. Il n'y a pas d'autre chemin que le cogitum centralis. Vous voyez le résultat? Non. Le Seigneur 7 a conçu le cogitum pour qu'il soit virtuellement imprenable. Ouais, mais avec la clé, c'est niqué. Malgré cela, les adeptes des ombres murmurantes traversent la ville sans problème. Je ne comprends pas comment ils font. Si nous le savions, nous pourrions peut-être l'utiliser contre eux. L'ombre de Sotha Sil a utilisé un bassin d'ombre pour s'échapper de l'incarnatory. Ah bah oui, mais si c'était TP aussi... J'ai déjà croisé le bourdon avec un mage argonien. Il pouvait sauter d'ombre en ombre et franchir de longues distances en quelques secondes. C'est peut-être ça la réponse. Des sortes de portails d'ombre. Il nous faut plus de renseignements, venus de l'intérieur. Un mage argonien, désastre. Qu'est-ce que t'as fait encore? T'as créé des légendes sans le vouloir il y a 800 ans encore. Tu t'es TP, t'as voulu aller chercher du pain. Voilà. Tu te l'es joué Naruto. On doit s'y prendre comment selon vous? J'ai une idée, mais vous pourriez la trouver inquiétante. Je me suis dit que le cerveau de Gascogne pourrait contenir des choses intéressantes, alors j'ai demandé à un factotum de le sonder. Parlez à la clinicienne mécanique dans l'aile Est. Elle a peut-être trouvé quelque chose. Aïe, ça veut dire que Krayn avait peut-être raison et qu'il fallait le garder en vie. Bon, c'est pas grave. Vous voulez qu'on voit un petit peu le... Tu vois, ça se trouve, c'est toi qui as rajouté une quête en le... oui, mais écoute... Hein, on fait le blabla sur la clé squelette un petit peu. La clé squelette, vas-y, vas-y. Que savez-vous sur la clé squelette? Seulement ce que j'ai lu dans les histoires impériales lorsque j'étais étudiante. Nos bibliothèques ne possèdent aucun texte sur les Daedra ni sur leurs reliques. J'ai contesté cette interdiction, mais le Congrès était inébranlable. Ils ne comprennent pas le danger que représentent ces créatures. C'est complètement con. C'est bien beau tout ça, mais vous répondez pas à ma question, vous savez quoi? Les princes Daedra parsèment le monde de leurs reliques sacrilèges. Des artefacts visant à corrompre et ensorceler les avides ou les faibles d'esprit. Hermaeus Mora propose un livre. Péréite, un bouclier. Nocturne est plus généreuse. Elle donne un masque, un arc et une clé. La fameuse clé squelette. Exactement. Les érudits affirment que cette clé peut ouvrir n'importe quel verrou, aussi complexe soit-il. Certains pensent qu'elle peut ouvrir les portes d'autres mondes, voire des portes métaphoriques. Ah, pas inutile de vous expliquer combien ce pouvoir est dangereux. L'ombre de Sotha Sil cherche donc à déverrouiller le centre de la cité mécanique. Je pense que ça va plus loin que ça. Le Seigneur Seth s'est modifié de manière extensive au fil des siècles. Je pense que l'ombre... L'ombre essaie peut-être d'ouvrir Sotha Sil lui-même. Ah, tu vois, c'est encore plus la merde que ce que je disais. C'est chaud. Vous voulez savoir le reste ou c'est bon? Le Cogitum Centralis. Ouais. Vas-y. Qu'est-ce que le Cogitum Centralis, exactement? Le cœur de la cité mécanique. Le siège du pouvoir du Seigneur Seth. C'est là qu'il passe sa période d'isolement. Il sculpte l'avenir, comme on dit. Très peu de mortels y sont jamais entrés. Et vous l'avez déjà vu? Une seule fois, et rien qu'un instant. En vérité, je ne suis pas entrée le cœur pur. Mais cette histoire peut attendre. Wow. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le Cogitum existe au centre de... tout, en fait. C'est les cieux où tourne la roue. Vous le verrez bien assez tôt. Et vous êtes sûr qu'il y a encore? Bien sûr. S'il était sur l'Artéum, la cité serait en sommeil. Moins de lumière, fabrication ralentie, réduction des services des factotums, mais tout tourne et bourdonne comme prévu. Il est bien là, et son ombre le sait. Bon. Juste le lore sur le cerveau du Gascogne, juste par la curiosité. Ah mince, du coup j'avais... Curiosité. Je peux le reparler, je pense. Je t'en prie. Ah mince. T'y arrives? Non, mais j'ai cliqué, je me suis trompé, donc allez-y. Ok. Vous avez dit que le cerveau de Gascogne avait disparu? Oui, c'est une procédure très utile. L'un de nos apôtres a mis au point l'extracteur anamnésique, une sorte de thérapie cognitive pour les résidents aux prises avec des pensées dépressives ou suicidaires. Les résultats ont été mitigés. Et maintenant, vous l'utilisez pour extraire des informations sur les morts, c'est pratique ça, c'est efficace sur les séances de torture, tu gagnes un temps fou. Seulement dans le cas où le défunt l'avait demandé, ou quand un traître essaie de vendre la cité aux Daedra. C'est bien pour ça que vous l'avez tué, non? C'est la voie la plus sûre vers la vérité. Nous pourrons débattre d'éthique médicale une fois que l'apocalypse aura été évitée. Bah, on l'a tué pour ça, mais Désastre, je pense qu'il l'a tué parce que... Presbyte. Puis il lui a tranché la gorge. Moi, j'ai des photos. C'est pour ça. D'ailleurs, j'ai utilisé l'espèce de cristal, tu sais, qui enregistre les événements, juste pour ce moment, pour le regarder en boucle. Le... Presbyte. Impeccable. Eh ben, écoute, Nickel. Moi j'ai plus de quêtes. Qu'est-ce samedi? La cité mécanique. Parler. Bah, de toute façon, on est sur une nouvelle série de quêtes. Je pense qu'on va la garder pour la prochaine fois. On peut la garder pour la prochaine fois et s'arrêter sur le clinicien mécanique. Est-ce qu'on peut terminer ça en se téléportant sur une maison? Oui. Une maison achetable, une jolie. Je vois que la chance. Comment on les voit? Tu vas dans collection. Ah non, tu vas dans les achats dans, je pense, boutique à couronne. Non, c'est collection, habitation et pas dans la collection, c'est ça en fait. Voilà. De quoi? Non, mais habitation, tu vois que ta maison à toi. Non, il n'y a pas dans la collection, tu as raison. Il y a les autres. Allez voir toi. Je sais pas, qu'est-ce qui vous intéresse? Un truc grand et classe, je sais pas, le château de Hackwild. Moi je cherche un truc en rapport avec la cité robotique ou. Ah bah il y a la cité, il y en a qu'une, c'est celle qu'on a vue. Celle qu'on a déjà visitée. Antérieure, on a déjà regardé. Dans ce cas-là, est-ce qu'on peut regarder la maison portuaire d'Aldvelotti? Un style extrêmement, extrêmement morrowindien. Si tu veux. Allez. Maison portuaire d'Aldvelotti. On peut terminer là-dessus en plus, ce sera confort. Pas parfait. Non, c'est gentil, Maximation. Ça m'arrange que ça se termine parce qu'il faut que je m'occupe de mon chat. Il a été dissident. Ah. Voilà. Le poupée a nucléarisé la zone, bien sûr, avec des drops de caca tactiques. C'est les fumines. Que veux-tu hein. C'est l'effet Tezo, on est là. C'est l'effet MMO. On est bien. Le réalisme est complet. On est bien, Et voilà. De mémoire, elle n'est pas très grande celle-là. Une maison d'Aldvelotti. C'est une maison de style purement Redoran. Les Redorans sont l'une des 6 factions de Morrowind. 5 en vérité, parce que la 6e c'est la faction de Dagoth qui a été honnie. C'est pour ça. Et les Redorans servent de bouclier face aux Nordiques et aux autres invasions. Ils sont généralement moins bien vus par les autres factions parce que justement c'est eux qui se prennent... c'est eux la garde du Nord entre guillemets. C'est eux qui se prennent toutes les monstres et toutes les saloperies. Et c'est pour ça qu'ils regardent les autres factions avec un dédain palpable. Ce sont une faction très spartiate qui vivent sur vachement la religion et les anciennes traditions et surtout sur une structure et société militaire, et ils vivent dans des maisons qui sont des grands comment ça s'appelle, des grands ossements de crabes géants en fait. D'accord. Voilà, c'est pour ça que le style de leur maison est aimé de beaucoup. Moi c'est pas mon style préféré, mais j'ai oublié de mettre les ah oui, les meubles. Les meubles. Ouais, bien sûr. Alors. Et puis c'est une pas chère ça. Ouais, ça c'est une maison moyenne. C'est pour ça. Ah, mais ça rend bien. Une petite même. Et effectivement, même l'ameublement à l'intérieur est d'un style purement Dwemer, c'est-à-dire elfe noir. Elle est vraiment sympa. Ce changement à l'extérieur. Moi, ce que j'aime bien, voilà, c'est pas forcément mon style préféré, mais c'est juste que c'est tellement alien. Tu vois, l'idée de vivre dans une immense coquille de crabe géant. Je trouve ça. Je trouve que c'est vraiment ce que fait The Elder Scrolls de mieux en termes d'elfes, c'est de nous sortir des elfes de Tolkien, quoi. C'est vrai, ça. En termes de nains aussi. Oui, aussi, en trop, ouais, pour ça. Il y a même un brancard, des caisses, il y a un petit sous-sol. Non, c'est confort. Hein. Il est où le petit sous-sol? Il est là. Il y a un étage et une cave. À savoir que Aldvelotti est un bel endroit, mais Ald'ruhn est constamment sous les poussières du Mont Écarlate. Il n'y a même pas une salle au sous-sol, hein. C'est juste on est autour du pilier, quoi. Oui, voilà, c'est juste pour faire joli. 2-3 bouteilles et terminé. Ça. Et donc il faut imaginer que normalement une de ce genre de maison est constamment sous la poussière du Mont Écarlate qui vomit de la cendre. Donc il faut imaginer des tempêtes de cendres constantes qui enterrent la ville, qui se fait déterrer par la population comme je sais pas moi, comme des Canadiens ils déneigeraient leur rue. Coup de chasse. Mais voilà, c'est ça. Mais Aldvelotti, c'est un endroit encore sympa. Je veux dire, c'est pas Ald'ruhn, quoi. C'est pas la capitale des Redans. C'est un baldaquin en haut. Ça me rend dingue, il y a baldaquin dans ce jeu parce que tu peux pas aller dedans. Tu peux pas t'allonger. Si t'es dans ta maison, tu mets un lia baldaquin, tu peux pas t'allonger dessus. C'est vrai que c'est dommage, hein, l'interaction est belle. Il faudrait pouvoir s'allonger sur les lits. C'est vrai. C'est vrai. Mais voilà, je trouve ça sympa. Surtout qui est très impressionnant, Ald'ruhn, parce qu'il faut imaginer que Ald'ruhn, en fait, c'est une cité capitale. Il y a plein de maisons comme celle qu'on peut voir, mais il y a surtout une immense carapace de tortue qui sert de hub, de presque sous-ville, quoi. C'est gigantesque. Et c'est un régal. Avec ces espèces d'arbres. Non, elle est sympa la maison, moi j'aime bien. Ça va. Voilà. C'était pour le style, et on peut même voir des ruines Dwemer juste à côté, bien évidemment inhabitées et remplies éternellement par des automates qui ne connaîtront de fin que lorsque leurs piles énergétiques s'épuiseront, c'est-à-dire dans... longtemps. Bah ouais, parce que même dans Skyrim, elle marche encore, tu vois, donc... voilà, et ouais. Ça fait 4000 ans, hein, donc au bout d'un moment, voilà, quoi, c'est pour ça, hein, c'est pour ça, c'est pour ça. Du coup, voilà, je pense que on dit, c'est une carapace de crabe. Oui, tout à fait, c'est un crabe géant et pas une tortue. Oui, 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 mais je disais, une carapace de tortue, c'était pour la figure de style, il n'y a pas de souci. Et ben écoutez, on peut terminer là-dessus, qu'est-ce que t'en penses? Ça me paraît très bien. Ça me paraît très très bien, c'est valide. C'était cool cette quête avec les corbeaux en tout cas. Ah oui, j'avoue. Un peu triste pour le chevalier de la moelle. C'est vrai, le chevalier de la moelle. Et écoute, il aura eu l'occasion de mourir en sachant que son amour lui avait promis peut-être un dîner. Voilà, de partager des entrailles. C'est ça, il est sorti peut-être de la friend zone. Hein, c'est déjà mieux et plus que certains accompliront dans leur vie. Donc, c'est pour ça. Sur ce, brave gens, ce fut un plaisir et un régal en tout cas. On coupe la VOD là, on vous fait des gros bisous et on se retrouve dans 2 semaines encore une fois avec Krayn et sans doute Désastres. Ouais. Merci infiniment en tout cas les mecs. Des bisous. Et vous me retrouvez donc la semaine prochaine pour un stream solo où cette fois-ci je jouerai probablement le Chevalier Dragon. On sortira le vieux Chevalier Dragon. Voilà, voilà. C'est ça. Allez, des bisous tout le monde. Ciao, ciao.